pompe à rebours est officiellement lancée. Allô tout le monde! On a le plan pour poursuivre notre lancée. Avec moi! C'est seulement le Parti conservateur qui peut remplacer Justin Trudeau. Hey, wow! We're gonna do this! Qui pouvait se battre pour vous? C'est l'NPD. Si vous m'accordez votre confiance, jamais vous n'aurez à le regretter. Nous sommes prêts! Le vote avec le plus de pouvoir, c'est un vote vert. Les autres partis ont de bonnes raisons d'avoir peur de nous. Les Canadiens vont faire un choix. Quelle direction ils veulent prendre pour le pays? En direct du Musée canadien de l'histoire à Gatineau, le Partenariat canadien pour la production des débats vous présente le Débat des chefs 2019. Voici Patrice Roy. Bonsoir, bienvenue à ce Débat des chefs. Madame, messieurs les chefs, bonsoir à vous. Bien le bonsoir. Bonsoir. Vos places sur la scène et l'ordre de parole ont été déterminés au hasard. 5 thèmes seront abordés ce soir. Chaque thème sera lancé par une question d'un citoyen en direct. Après la réponse des chefs, il y aura 2 confrontations à 3, puis des questions en rafale d'un journaliste invité. Ce débat sera suivi par des citoyens ici, au Musée de l'Histoire à Gatineau. On vous remercie, messieurs, dames, d'être ici. Et partout à travers le pays, des rassemblements ont été organisés. C'est le dernier débat de cette campagne, vous le savez. Je compte sur vous, madame, messieurs les chefs, pour nous donner des réponses claires et surtout, ne pas tous parler en même temps. J'y veillerai. D'ailleurs, vous verrez parfois apparaître à l'écran le temps de parole cumulatif des chefs. Madame, messieurs, bon débat. Premier thème, environnement et énergie. Et nous commençons ce thème de Trois-Rivières ce soir avec une question d'Élisabeth Darveau. Madame Darveau, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Madame Darveau, les chefs vous écoutent. Votre question. Dans une ère où nous sommes de plus en plus touchés par la cause environnementale et où l'ONU a déclaré l'urgence climatique, il devient urgent de prendre les dispositions nécessaires pour contrer cette crise. Ma question est la suivante. Sachant que si nous n'agissons pas maintenant, nous atteindrons le point de non-retour, quel premier changement concret comptez-vous faire pour protéger l'environnement? Merci, Mme Darveau. Première réponse, Justin Trudeau. Merci, Élisabeth, pour votre question. Et puis, c'est une question qu'on entend à travers le pays. Depuis plusieurs semaines, on sillonne le pays pour parler aux gens qui, justement, nous disent l'avenir de leurs enfants, l'avenir de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, c'est essentiel. Et on a beaucoup fait sur 4 ans, mais on doit continuer. Et on doit pouvoir tenir tête contre ces conservateurs comme Jason Kenney, Doug Ford et les pétrolières qui les appuient pour pouvoir justement continuer de lutter contre les changements climatiques et bâtir un monde meilleur. C'est pour ça que le choix que vous faites ce soir est si important, mais pour ce quoi aussi, j'ai confiance dans les Canadiens, j'ai confiance dans les prochaines étapes qu'on va entamer ensemble. Merci, M. Trudeau. M. Bernier. Bonsoir. Les autres partis vous disent qu'ils vont atteindre les cibles de l'entente de Paris, mais ils ne pourront pas les atteindre puisqu'il faut imposer une taxe sur le carbone de 300 $ la tonne pour ce faire, et ils ne le font pas. Et aussi, ils disent qu'ils vont sauver le monde, sauver le climat, mais comme vous savez, les émissions globales du Canada représentent seulement 2,6 % des émissions totales. Nous, au Parti populaire, on veut se concentrer sur des gestes concrets pour l'environnement, s'assurer que nos eaux soient dépolluées, notre sol, notre air, et je pense qu'on peut réinvestir pour protéger réellement l'environnement et pas être hypocrite comme les leaders ici autour de moi qui disent tout faire pour aider les changements climatiques, mais dans le fond, ils n'ont pas de solution. Monsieur Singh. Merci, Élisabeth. C'est vraiment un grand enjeu. Je sais qu'au Québec, on a eu des inondations sévères, on a eu des feux de forêt. C'est vraiment un impact réel qu'on fait face à ce moment. On a eu des milliers d'enfants dans les rues. Donc, ce qu'on propose de maintenant, pas comme M. Trudeau qui a acheté un pipeline, on veut annuler tout de suite toutes les subventions pétrolières. Ça, c'est une étape qu'on peut prendre tout de suite et on peut réinvestir l'argent dans l'énergie renouvelable, dans l'énergie propre. Aussi, on veut réinvestir massivement dans le transport en commun.
on peut agir. C'est une question d'avoir le courage. On a le courage. Merci, M. Singh. M. Scheer. Oui, l'environnement, c'est un des enjeux centraux de cette campagne. Et comme père de 5 enfants, je veux assurer que nous laissons les prochaines générations un environnement plus propre que nous avons hérité. Mais malgré ce qui prétend Justin Trudeau sur cet dossier, son plan est un échec. Une des premières décisions qu'il a prises comme premier ministre, c'est d'autoriser le déversement de 8 milliards de litres d'eau usée dans notre fleuve. Mon plan va mettre fin au déversement d'eau usée parce que nous sommes en 2019. Merci, M. Scheer. M. Blanchet. Mais bien, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous encore ce soir. Il y a certainement beaucoup de mesures qui doivent être prises. Je vous en mentionnerai quelques-unes. Je pense que le Parlement devrait, par le biais d'une loi, un peu comme le suggère M. Singh sur l'intention, faire en sorte qu'on cesse immédiatement toute espèce de subvention aux industries pétrolières. C'est autour de 10 milliards par année au total, selon une étude d'Équiterre en 2018. Ça vous dira quelque chose, M. Trudeau. Et une autre loi pourrait faire en sorte de contraindre le Canada à respecter ses cibles. Parce que pour l'instant, les cibles de 2009 de M. Scheer sont devenues les cibles de M. Trudeau et rien n'a été fait pour les atteindre. Il y a des mesures incitatives en termes d'électrification des transports qui peuvent être faites en laissant d'ailleurs merci, le pétrole Blanchet, dans le sol. Merci, M. Blanchet. C'est tout le temps que vous aviez. Mme May, en terminant. Merci, Elizabeth. C'est vrai exactement ce que vous avez dit. Nous sommes maintenant trop proches à un point de non-retour. On doit éviter le pire. Maintenant, c'est seulement les Verts qui a un programme qui est aligné avec les scientifiques de GIEC. Mais on doit travailler ensemble. Pour nous, comme Verts, c'est essentiel de mettre sur pied un cabinet de guerre, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, de faire les choses ensemble, parce qu'on doit éliminer les dépendances sur l'énergie fossile et en même temps changer notre économie vers une économie merci, verte. Merci, Mme May. Mme Darvaux de Trois-Rivières, j'espère que vous êtes éclairée. En tout cas, c'est les réponses qu'ils vous ont données. Merci beaucoup de votre participation. C'est apprécié. Merci. Merci à vous. Alors, premier trio, première confrontation à trois. Il y aura Mme May, M. Trudeau et M. Blanchet en jeu. Depuis Kyoto, c'est il y a 30 ans, les politiciens promettent de diminuer les gaz à effet de serre. Pour atteindre les cibles de Paris, le directeur parlementaire du budget estime que la taxe sur le carbone, qui est de 20 $ actuellement, la tonne, doit grimper à 102 $ d'ici quelques années. Ça, pour être très concret pour les gens à la maison, c'est 23 sous de plus pour un litre d'essence. M. Blanchet, vous êtes d'accord avec le 102. Mme May, vous proposez 200, vous. M. Trudeau, est-ce que vous attendez après les élections pour afficher votre prix? Non, M. Roy. On a un plan pour monter ce prix-là jusqu'à 50 $ la tonne jusqu'en 2022. Mais ces chiffres de 100 $, 200 $ la tonne, c'est s'il n'y a rien d'autre qu'un prix sur le pétrole, qu'un prix sur la pollution. Nous, on a choisi de faire bien d'autres choses aussi, de protéger la nature encore plus, d'investir dans, de finir avec les centrales du charbon, de bannir le plastique à usage unique, de planter 2 milliards d'arbres. On sait que ça prend énormément d'efforts pour le faire, mais on va le faire parce qu'on a fait plus déjà que tout autre gouvernement dans l'histoire du pays pour protéger l'environnement et contrer les changements climatiques. Le débat est ouvert. Oui, merci, mais le problème, c'est lequel? Ce n'est pas suffisant de parler seulement de prix sur carbone. On doit mettre sur pied les cibles qui sont alignées avec l'avis des scientifiques. Et maintenant, ce n'est pas le 30 % au-dessus du niveau de 2005 par 2030, le cible de M. Trudeau, même cible que M. Harper. Il est absolument insuffisant. On doit mettre sur pied un plan vers l'élimination de l'énergie fossile par 2050 et par 2030, 60 % de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est vraiment possible. Notre plan s'appelle Mission possible parce qu'il reste possible. Ce n'est pas facile, mais il est possible. Mais ce n'est pas avec seulement les taxes sur carbone. Je nous demanderais d'être plus précis. Oui, il faut arriver à ce que le seul pétrole qu'on utilise soit du pétrole qui ne sera pas utilisé en combustion. Parce que ça sert à autre chose un peu. Il faut mettre une date là-dessus. Une fois qu'on a mis une date, il faut calculer c'est combien de réductions par année dans l'extraction, dans le transport, dans l'exportation et dans la consommation.
Il ne faut pas dire on va en parler en 2030 ou en 2025. Il faut dire on commence tout de suite. Donc, c'est moins 3 % l'année prochaine, moins 3 % l'autre. Et ça exclut, évidemment, d'aller chercher le 173 milliards de barils de pétrole qui restent en Alberta. C'est totalement exclu. Sur la taxe à proprement parler, nous, on a proposé ce qu'on a appelé la péréquation verte. Moyenne des émissions à travers le Canada, les provinces qui sont au-dessus paient cette taxe et celles qui sont en dessous reçoivent cette taxe. C'est strictement administratif. Aucun changement constitutionnel n'est requis pour mettre ça en œuvre. Et ça pourrait faire une mesure très incitative mais pour tout le monde. Cette initiative, M. Blanchette, souligne un des grands défis que vous avez en tant que chef du Bloc québécois. C'est que pour imposer un plan pan-canadien, ça prend un gouvernement prêt à le faire, à tenir tête contre Jason Kenney, contre les pétrolières, contre Doug Ford, contre ces politiciens conservateurs qui ne veulent rien faire pour l'environnement. Et on est quatre ici. Si on le dépose, on va voter pour. Pour protéger l'environnement. Qui veulent lutter, qui ont fait beaucoup au courant des quatre dernières années. On en a fait énormément, mais on reconnaît qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Il faut que les Québécois, que les francophones, que les Canadiens fassent partie d'un gouvernement qui veut lutter contre les changements climatiques. La vraie réalité, c'est que la situation maintenant, c'est une situation d'urgence climatique. Je parle de fond de mon cœur parce que le temps presse et maintenant, tous les autres chefs ici, dans la scène avec moi, il n'y a personne avec un plan qui marche pour éviter le pire. Greta Thunberg a raison. Notre maison est en feu. Comment osez-vous? Monsieur Trudeau, sur le pipeline, Monsieur Scheer a été clair dans la campagne. Il pourrait imposer un pipeline vers l'Est, donc qui traverserait, entre autres, le Québec. Vous n'avez pas été clair. Vous dites il n'y a pas de projet. Il peut avoir demain matin un projet sur la table. Pourriez-vous, oui ou non, imposer un pipeline? Ça fait partie d'un processus qui doit avoir l'approbation des communautés, l'approbation des peuples autochtones, de travailler avec les scientifiques pour assurer l'impact. Et on va procéder comme on a procédé avec l'oléoduc Trans Mountain pour essayer de chercher l'approbation et pour le faire de façon rigoureuse. Les gens savent, il ne faut pas avoir plus de pétrole par rail. Ça, déjà, c'est très dangereux et plus polluant. Il faut pouvoir mettre les profits de ce qu'on a besoin maintenant, parce que la transition, ça se fait pas tout de suite, vers l'énergie verte, vers la lutte contre les changements climatiques. Et chaque dollar de profit ira justement pour des initiatives. Monsieur Trudeau, vous proposez d'utiliser les fonds publics pour un oléoduc dans une situation d'urgence publique, en urgence climatique. On doit arrêter tous les oléoducs. On doit arrêter le gaz de schiste partout au Canada si on a une seule chance d'éviter le pire. C'est dans la vie des scientifiques. Ce n'est pas une question de les cibles en politique. C'est une question de la réalité. Monsieur Trudeau, deux choses. Le Québec ne veut pas. Est-ce que vous allez dire au Québec, non, il n'y aura pas d'oléoduc au Québec? Et la deuxième chose, si on fait des propositions, puis vous les trouvez bonnes, votre seul argument, c'est ah oui, mais vous ne pouvez pas les mettre en place, mais si on fait des propositions, allez-vous voter pour au Parlement? C'est ça, un Parlement, la bonne idée peut venir de n'importe qui. Réponse, M. Trudeau, avant de passer à l'autre trio. On a créé un système avec C-69 qui permet d'avoir de l'approbation pour les bons projets et les mauvais projets n'avanceront pas. OK, mais un bon projet pour avancer, un bon puis vous pourriez l'imposer. Écoutez, c'est mieux que du plus de pétrole sur rail, M. Deuxième confrontation à trois, Messieurs Singh, Bernier et Scheer. On va poursuivre sur cette histoire de pipeline qui a fait beaucoup jaser dans cette campagne électorale. Le gouvernement Legault répète qu'il n'y a pas, donc, au Québec, d'acceptabilité sociale. Messieurs Bernier et Scheer, vous êtes favorables à un pipeline, puis vous dites que c'est la Constitution canadienne qui nous donne le droit. Ne craignez-vous pas un ressac, un sentiment anti-Canada au Québec ou un sentiment anti-Québec dans l'Ouest si vous allez de l'avant puis vous imposez un pipeline? Monsieur Scheer. Mais ça, c'est la raison pour laquelle que j'ai proposé mon corridor énergétique. Parce que je sais que les Québécois et les Québécoises préfèrent l'énergie de chez nous. À ce moment, beaucoup d'argent des consommateurs québécois vont aux États-Unis, vont pour acheter le pétrole des États-Unis. Il n'y a aucun bon sens. Je veux créer les conditions où le Québec peut partager son hydro et les ressources naturelles pour être envoyées de l'Ouest du Canada dans les marchés de l'Est. Ça, c'est meilleur pour les Québécois et Québécoises et pour tous les Canadiens.
Le corridor énergétique que M. Scheer propose, ça va prendre des années avant de construire. Et l'urgence, c'est d'avoir un oléoduc. Et vous avez raison de dire, en ce qui concerne la Constitution et la paix constitutionnelle et l'unité du pays, c'est pour ça que les gens en Alberta demandent effectivement qu'on puisse exporter leur pétrole dans un autre marché que le marché américain. Et avec M. Scheer, je ne suis pas certain qu'il va utiliser la Constitution pour s'assurer qu'on soit capable de construire des pipelines. Mais le plus important, c'est que M. Scheer et M. Trudeau ont la même position en ce qui concerne les changements climatique. La seule différence, c'est que M. Scheer va imposer des tarifs élevés aux gros émetteurs et va donner des subventions aussi à l'énergie verte. Nous, on dit, on veut laisser ça aux provinces. Le Québec fait bien pour les changements climatiques. On devrait laisser ça aux provinces et s'occuper des vraies actions pour l'environnement. Je pense que je peux résumer la situation ici. Pour les spectateurs, ici, c'est M. Pipeline. Ici, c'est M. Pipeline encore. Et M. Trudeau, je pense aussi, c'est M. Pipeline. Moi, je suis Jagmeet Singh. Je ne vais jamais imposer un pipeline sur le Québec. C'est clair. Monsieur Scheer, vous avez interpellé Monsieur Scheer. Le plan actuel de M. Trudeau, c'était de donner les grandes exemptions de son taxe sur la carbone pour les grands pollueurs, les grandes compagnies qui ont négocié un entente spéciale. Mais les contribuables, les travailleurs canadiens doivent payer 100% de la taxe sur le carbone. J'ai aucune taxe dans mon plan, Monsieur Bernier. Vous imposez, M. Scheer, des tarifs élevés aux grands émetteurs et des subventions en plus. Maxime, des subventions. Tu ne vas rien imposer. Tu ne vas même pas gagner en bourse, OK? Moi, avec mon plan, les Canadiens ne doivent pas payer la taxe sur le carbone. Nous allons investir dans les technologies. Nous allons prendre la lutte contre le changement climatique dans un contexte global. Ça, c'est la chose qui manque dans toutes les plateformes. Très bien. Répondez pour la bourse, parce que je sens que votre cœur de bourse... Oui, dans un contexte global, c'est ça. M. Scheer veut prendre l'argent des Canadiens pour faire en sorte de lutter contre les changements climatiques dans d'autres pays et donner encore des millions et des milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques ailleurs. Le plus important, c'est de s'assurer que l'environnement ici au Canada soit protégé. Et aujourd'hui, on a encore 215 milliards de litres d'eau usée qui sont déversés dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos océans. C'est une augmentation de 10 % par rapport à 2013. Il faut corriger ça et investir ici pour les Canadiens et pour le Canada, Singh, et non pas à l'étranger. Monsieur Singh, on a eu 500 000 enfants de la jeunesse dans les rues à Montréal. Les jeunes disent qu'il faut agir de maintenant. On a M. Trudeau qui est, oui, un grand parleur, mais en fait, c'est un petit faiseur. Elle ne marche pas pour les gens, elle ne travaille pas pour les gens. Ce qu'il faut de maintenant, c'est de donner aux jeunes d'espoir. On peut dire que oui, on peut aller de l'avant en annuler les subventions pétrolières, réinvestir dans l'énergie propre, on peut massivement investir dans le transport en commun. On peut agir de maintenant et il faut agir de maintenant. Monsieur Bernier et Monsieur Scheer, j'ai une question pour vous pour relancer le débat. Vous voulez annuler la taxe carbone. Est-ce que ce n'est pas donné un permis de polluer à vie aux entreprises? M. Bernier, rapidement. Non, absolument pas. Écoutez, actuellement, il n'y en a pas de taxe sur le carbone pour le Québec. Il y a la bourse du carbone au Québec. Et donc, effectivement, donc on veut laisser les provinces. L'environnement, c'est une compétence partagée avec le fédéral et les provinces. Et nous, notre plan, ce qu'on dit, les provinces peuvent s'occuper des changements climatiques. Et nous, au fédéral, on va continuer à dépolluer nos lacs, nos rivières. C'est important. C'est incroyable qu'en 2019, on a encore des eaux qui sont usées, qui sont jetées. La ville de Montréal a fait ça. Et là, c'est maintenant la ville de Vancouver, et on veut avoir un environnement plus propre, mais très bien, sur la taxe carbone. Mais c'est clair qu'avec M. Trudeau, avec le plan actuel du gouvernement libéral, il a donné une grande exemption aux les grands pollueurs. Alors, quand il dit qu'il a mis une prise sur le carbone, c'est pas pour les grands pollueurs, c'est seulement pour les gens ordinaires, les travailleurs. Et ça, c'est le problème avec son approche. Mon approche va mettre une concentration sur les technologies, pas les taxes. Le problème avec M. Scheer, c'est votre plan était écrit par et pour le secteur pétrolier. Ce n'est pas acceptable. Merci, messieurs. Ça met fin à ce deuxième trio. Je vous félicite rapidement pour votre discipline. Jusqu'ici, ça va bien. François Cardinal, éditorialiste à La Presse. Bonsoir, François. Bonsoir, Patrice. Vos questions au chef. Madame May, je commence avec vous. Vous voulez réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique au pays pour éviter le pire, vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous pose la question directement. Est-ce que vous êtes favorable à la décroissance de l'économie canadienne
même si certains soutiennent que ça pourrait provoquer beaucoup de pertes d'emplois. Merci, M. Carnell. C'est une question extrêmement pertinente. Non, mais pas en faveur de décroissance de l'économie canadienne, mais pour la transformation de l'économie canadienne. Parce que nous avons besoin, c'est vrai que nous avons besoin, comme M. Scheer a dit, pour l'infrastructure nationale, un corridor, mais pas pour les oléoducs, seulement pour l'électricité décarbonisée avec une grande croissance de notre capacité dans les renouvelables, énergies renouvelables, de vent, de soleil. Maintenant, avec le prix du soleil qui a tombé énormément, nous avons les opportunités économiques sans pétrole. Merci, Mme May. Prochaine question pour M. Blanchet. Une courte question pour vous aussi. Vous dites très fier de votre plateforme environnementale. Vous avez parlé de la péréquation verte tout à l'heure. Comment vous expliquez votre appui au troisième lien entre Québec et Lévis? D'abord, je n'ai pas appuyé le troisième lien. J'ai dit que je n'étais pas contre et j'ai dit que je n'étais pas pour, pour une raison fort simple. D'abord, le ministre de l'Environnement vient de commander un BAP. Moi, j'ai déjà été ministre de l'Environnement au Québec. Je respecte le BAP. Alors, si on demande à une institution dont nous, on veut proposer par loi qu'elle ait préséance sur les évaluations environnementales du fédéral, si on demande à une institution de faire une analyse environnementale d'un projet, on va attendre l'analyse environnementale du projet. Et ultimement, le troisième lien relève exclusivement du gouvernement du Québec et non pas du fédéral. Cette ingérence répétée finit par être très irritante. Je suis convaincu que Québec pourra prendre les bonnes décisions après le BAP. Merci, M. Blanchet. M. Scheer, vous êtes pour la lutte contre les changements climatiques, mais vous tenez toujours à préciser que c'est à condition qu'elle se fasse à l'échelle mondiale. Est-ce une autre façon commode de demander aux autres pays de faire des efforts pendant que le Canada, lui, continue de polluer comme si de rien n'était? Pas du tout. Avec mon plan, nous avons une approche équilibrée. Nous avons beaucoup de mesures pour réduire nos émissions. Par exemple, avec l'investissement dans la technologie, un crédit d'impôt pour les corporations qui adoptent les nouvelles façons de les méthodes de production. Mais on doit reconnaître le fait que le Canada émet seulement 1,6 % de les émissions. Et si on chasse tous les investissements, tous les emplois, on rend la vie plus cher pour tous les Canadiens et on voit l'économie de la Chine, de l'Inde remplacer toutes nos émissions, on n'accomplit rien. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons une approche mondiale. Merci, M. Scheer. M. Singh, l'an dernier, en début d'année, vous n'étiez pas contre l'expansion du pipeline Trans Mountain. Puis vous avez finalement décidé de vous y opposer au fil de l'année. Comment comprendre vos contorsions et volte-face sur les projets de transport de gaz et de pétrole? Donc, pour moi, c'est clair. La future de notre pays, le futur de notre planète, c'est un futur où on n'utilise pas aucune énergie fossile. Ça, c'est l'avenir. Et ce que je veux faire pour les enfants qui s'inquiètent de l'avenir, pour les familles qui font face à des inondations, pour les gens qui me disent qu'ils ont peur des feux de forêt, je veux dire, je vais mettre tous mes efforts pour s'attaquer à la crise climatique. Il faut le faire, on peut le faire, et pour moi, c'est un engagement fort. Merci, M. Singh. M. Trudeau, vous avez promis en 2015 de mettre fin aux subventions à l'industrie pétrolière. Et pourtant, vous avez non seulement acheté un pipeline pendant votre mandat, on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez aussi offert un programme d'aide de plus de 1 milliard de dollars à l'industrie pétrolière. Comment, aujourd'hui, peut-on croire vos promesses environnementales? On est encore en train d'atteindre nos cibles, d'éliminer les subventions à l'industrie pétrolière jusqu'en 2025. Ça prend une progression. On sait que la transition ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on est en train d'investir de la bonne façon dans l'énergie verte, dans l'énergie renouvelable. Et tous les profits, des centaines de millions de dollars de cet oléoduc vont aller vers cette transition, vers la lutte contre les changements climatiques. On a un vrai plan parce qu'on l'a livré pendant 4 ans. Il faut continuer. Il faut avoir un gouvernement fort, plein de Québécois, plein de francophones qui vont pouvoir continuer de tenir tête contre ces conservateurs qui ne veulent rien faire. Merci, M. Trudeau. Dernière question pour vous, M. Bernier. Vous êtes le seul chef à refuser le consensus scientifique sur l'urgence climatique, en citant toujours la même poignée de détracteurs plutôt controversés. M. Bernier, pourquoi reniez-vous la science?
Premièrement, je ne renie pas la science. Et deuxièmement, il faut bien dire qu'il y a 500 scientifiques à travers le monde qui ont écrit au secrétaire général de l'ONU pour dire qu'il n'y avait pas d'urgence climatique. Donc, je ne suis pas le seul. Il faut bâtir des politiques publiques, non pas sur des sentiments et une urgence qui n'existe pas, mais sur les faits, sur la raison. Et ce qu'on demande, qu'il y ait encore plus d'études sur l'impact du soleil par rapport au changement climatique. Les études qui ont eu actuellement étaient seulement sur l'impact du CO2. Et si vous voulez vraiment atteindre les cibles, Elisabeth a la raison. Elle a des cibles qui vont faire en sorte qu'on va atteindre les cibles de Paris, mais elle va détruire l'économie, comme vous l'avez dit plus tôt. C'est la seule chef qui est crédible, tout en détruisant l'économie. Merci, M. Bernier. Merci, François. Merci beaucoup. Alors, on est déjà à notre deuxième thème, économie et finances publiques. Et nous avons dans la salle une citoyenne, Marie Saint-Jean, qui veut poser une question au chef. Madame Saint-Jean, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Votre question, il vous écoute. Alors, voici. Lorsqu'on est âgé et à la retraite, il en coûte beaucoup plus cher de vivre seul qu'à deux. Vous savez tous ça. Et on ne peut pas bénéficier, entre autres, du partage des revenus. Puis on est seul pour absorber toutes les dépenses. Alors, prévoyez-vous augmenter les pensions des retraités ou encore majorer la déduction en raison de l'âge? En d'autres mots, quelles mesures fiscales prévoyez-vous pour aider les personnes âgées vivant seules? Très bonne question, très claire. Merci beaucoup, Mme Saint-Jean. Monsieur Blanchet, vous répondez en premier. Bonjour, Mme Saint-Jean. Le prémisse que vous mettez en place, elle est remarquable. D'abord parce qu'il y a une forte cohorte qu'on appelle les baby boomers qui vont arriver à la retraite. Une retraite qu'ils méritent heureuse et qu'ils méritent passablement prospère parce qu'ils ont construit la société dans laquelle on vit. Nous, on propose une augmentation de 110 $ par mois de la pension vieillesse en partant, plusieurs crédits d'impôt sur les activités physiques, un congé ou une prolongation du versement pour le conjoint lors du décès du conjoint, la protection des fonds de pension comme créanciers prioritaires lors d'une faillite ou de la cessation des activités d'une entreprise. Un ensemble de mesures que je vous invite à consulter dans le détail. On répondra à vos questions parce qu'on pense que c'est important, notamment Merci. Pour nos régions. Merci, M. Blanchet. M. Scheer. C'est clair que le coût de la vie est un autre enjeu très important dans cette campagne. Ça, c'est le thème central de notre plateforme. On va rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour les Québécois et Québécoises. Spécifiquement pour les personnes âgées, les gens qui ont pris leur retraite, on va augmenter le crédit en raison d'âge par 1 000 Aussi, beaucoup de nos crédits d'impôt vont appliquer à les personnes âgées, comme le crédit d'impôt pour le transport en commun. Et aussi, on va éliminer la TPS pour les factures domiciliaires et pour les personnes avec un income fixé, le revenu fixé, ça c'est important Merci, aussi. Merci, M. Scheer. M. Trudeau. Merci, Mme Saint-Jean, pour votre question. Une des premières choses que nous avons fait, c'est d'augmenter le supplément de revenu garanti pour nos aînés les plus vulnérables, souvent des femmes seules. Mais on sait qu'il y a encore plus à faire. C'est pour ça qu'on a promis de bonifier la sécurité de la vieillesse à partir de l'âge de 75 ans de 10 %. Et si il y a une personne âgée qui perd son conjoint, c'est un moment extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on va augmenter les pensions de survivants des régimes des rentes de jusqu'à 75 % de ce qu'ils recevaient avant, parce qu'on sait que d'appuyer nos aînés, c'est essentiel dans une société riche et généreuse comme la nôtre. Merci, M. Trudeau. Mme May, votre réponse. Merci, Mme Saint-Jacques. Je veux ajouter, parce que j'ai oublié au commencement, que je reconnais que nous sommes ici sur le terrain des peuples autochtones non cédés. Algonquin, je dis Megwitch. Maintenant, je veux dire que oui, le Parti vert sont vraiment engagés pour augmenter les niveaux de pension, pour aider les âgés. Moi-même, j'ai 65 ans, alors je suis absolument dans la même position, mais je ne suis pas préparée de retraite immédiatement. Alors, je veux faire aussi mettre sur pied une stratégie pour les aînés et aussi mettre sur pied dans le cabinet fédéral un ministre avec le but de protéger et réduire les coûts de vie des aînés. Merci, Mme May. Monsieur Bernier. Bien, on vient de s'apercevoir que tous les autres chefs ici vous promettent ce que vous voulez entendre et donc faire en sorte qu'on va augmenter les pensions pour les aînés. Moi, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que le pays est endetté.
On n'a pas les moyens. Et la seule promesse que je vous fais, c'est d'équilibrer le budget en 2 ans. Et après ça, seulement après ça, on va regarder pour baisser les taxes et les impôts. Mais les gens ici, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de déficit, et c'est comme si rien n'était. Et pour les programmes sociaux, pour les programmes canadiens, c'est important d'équilibrer notre budget tout de suite, parce que si jamais il y a une récession dans quelques années, on n'aura plus de marge de manœuvre. Donc, je n'essaie pas d'acheter votre vote avec votre argent. Je vous dis merci. Seulement la vérité. Merci, M. May. M. Singh, terminé. Oui, merci, madame, pour la question. Vous avez soulevé un enjeu qui touche beaucoup de monde. Donc, merci pour prendre le temps pour expliquer ça. Je pense que c'est tellement ridicule que les personnes âgées font face à des grands défis comme ça. Les gens qui ont sacrifié beaucoup, ils ont le droit d'avoir leur retraite avec la dignité. Ce qu'on va faire, c'est de mettre en œuvre des programmes pour vous aider. Oui, il faut augmenter les pensions. Aussi, il faut augmenter les services, comme l'assurance médicament universel qui va sauver centaines de dollars. Un soin dentaire national qui va aussi réduire les coûts et sauver d'argent. Ou si on veut mettre en œuvre une limite sur les frais cellulaires, ça va aussi sauver d'argent. Merci. On est pour vous. Merci, M. Singh. Est-ce que vous êtes un peu plus éclairé quant à votre vote? Je vous demande pas pour qui, bien sûr. Mais tous les programmes sont intéressants. Alors, on verra dans 4 ans. Merci. Merci beaucoup pour votre question, madame. Merci. Alors, premier trio économique avec M. Singh, Mme May et M. Blanchet. Aucun de vous trois ne proposait des baisses d'impôts. Au contraire, vous promettez, vous venez d'en parler, M. Singh, rapidement, de nouvelles taxes, de nouveaux programmes coûteux. Vous ne pensez pas que la classe moyenne a besoin d'un répit? Je commence avec vous, M. Singh. Je pense que la classe moyenne a besoin d'aide. Donc, on ne va jamais augmenter les taxes sur les classes moyennes ou les travailleurs et travailleuses. Mais le problème, c'est les plus riches, ils ne payent pas leur juste part. Les plus riches ont beaucoup d'argent et ne le partagent pas. Donc, ce qu'on va faire, pas des belles paroles et pas des actions comme M. Trudeau, mais on va mettre en place une taxe sur les ultra-riches. Ça va donner une augmentation de revenus de 70 milliards de dollars. Donc, on peut trouver l'argent si on veut investir dans les gens. On l'a vu les autres gouvernements qui investissent dans les grandes compagnies avec des milliards de dollars. Moi, je veux investir dans les gens parce que je ne travaille pas pour les plus riches, je travaille pour vous. Moi-même, le débat est ouvert. Je travaille pour les plus riches. Et notre programme, nous avons le seul programme dans ces élections chiffré. Nous avons une plateforme chiffrée, nous avons les preuves de chercher les revenus, comme M. Singh aussi dit, que sur les taxes sur les plus riches, mais aussi pour les taxes sur les web géants comme Facebook et Netflix, et chercher les fonds, parce qu'on doit mettre sur pied plus pour les citoyens du Canada, éliminer les frais de scolarité, investissez dans l'éducation postsecondaire. Et aussi, nous sommes absolument engagés pour un programme de l'assurance médicaments, mais en même temps, pour la livraison postale à domicile, toutes les choses sont possibles pour aider les âgés, mais on doit choisir les priorités et trouver le revenu pour équilibrer le budget en 5 ans. Vous êtes sur la glace, à vous de jouer. Petit détail inexact, toutefois. À part M. Scheer et M. Singh, tout le monde a déposé, je crois, des plateformes financières, a déposé des cadres financiers qui respectent les règles en autant que je suis concerné. Je suis d'accord sur le principe qu'il faut aller chercher davantage de revenus, puis il ne faut pas que ces revenus-là viennent toujours des mêmes poches. Or, il est exact qu'il y a des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale qui favorisent toujours les mêmes. Et il est exact qu'on peut faire en sorte avec les géants du web, avec une redevance de 3 % dont je pense, par contre, qu'il doit être réservé. L'argent, c'est beaucoup d'argent, là, dans les centaines de millions de dollars, réservé au secteur culturel et des médias qui en ont bien besoin. Donc, je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Mais je pense qu'on peut regarder les revenus de la péréquation verte qui vont baisser les dépenses du fédéral parce que ça va venir des provinces plus riches. Et je pense qu'on peut regarder les 400 millions de dollars d'une déclaration d'impôt unique qui serait sauvée aux contribuables, aux entreprises et à l'État. Demande unanime de l'Assemblée nationale du Québec, demande que le Bloc portera, bien sûr. On aura l'aide éventuellement des conservateurs qui disent être d'accord avec ça. Et M. Singh avait dit qu'il était d'accord s'il n'y avait pas de perte d'emploi. C'est ça. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord, il n'y aurait pas de perte d'emploi avec ça. Donc, voici 400 millions de dollars. Oui, je veux aussi ajouter un autre point. C'est une question de revenus, mais c'est aussi une question de choix. Donc, dans la dernière année, ce que M. Trudeau a fait, elle a dépensé beaucoup de dollars.
14 milliards de dollars pour les plus riches entreprises pour qu'elles puissent acheter des avions et des limos dans l'économie de l'automne. Plus que ça, elle a dit 4,5 milliards de dollars pour acheter un pipeline. Et pour les prêts, pour les grandes compagnies, des grandes entreprises, elle a dit qu'elle va annuler 6 milliards de dettes pour les grandes compagnies d'assurance, de grandes compagnies en général. Pour moi, ça, c'est 25 millions de dollars qu'elle a donné aux plus riches au lieu de donner aux gens. Très bien. Mais ce qu'on a beaucoup reçu, une seconde, madame, mais ce qu'on a beaucoup reçu comme courriel, comme question du public, c'est l'inquiétude vis-à-vis cette dette qui grandit et du déficit. Alors, en un mot, là, vous trois, est-ce que ça vous inquiète ou ça vous inquiète pas, le déficit? Le déficit m'inquiète parce que le gouvernement libéral a l'a fait pour donner des milliards de dollars aux plus riches. Si on prend des actions pour investir dans les gens, très c'est bien. Autre chose. Madame May, avec notre plateforme chiffrée, le budget sera équilibré en 5 ans. Sans le, un événement comme une récession. Mais en même temps, je veux ajouter que les subventions vers l'énergie fossile ont augmenté depuis les derniers 4 ans. Aller chercher l'argent dans les poches des riches est une chose. Faire en sorte que ça aille au bon endroit est une chose. Baisser le déficit en est une aussi. Mais on ne peut pas du jour au lendemain dire on va couper un déficit de 19 milliards parce que l'impact sur l'économie de l'ensemble du pays et du Québec serait catastrophique. Notre plateforme, nous, ça baisse à peu près de la moitié le déficit. Je trouve pas ça merveilleux, mais on peut pas aller plus vite que ça. Il faut vraiment aller chercher les revenus supplémentaires. Il faut vraiment faire en sorte que, sans aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, les entreprises, les géants du web, couper les subventions, toutes les formes d'aide, revendre Trans Mountain, ne pas investir dans la réfection de Trans Mountain, sont des moyens d'aller chercher beaucoup d'argent. Merci à vous trois. Deuxième trio sur l'économie, M. Bernier, M. Trudeau et M. Scheer. Monsieur Trudeau, vous n'avez pas de plan, aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Monsieur Bernier, vous voulez couper allègrement, vous l'avez dit tout à l'heure. Monsieur Scheer, on n'a toujours pas vos chiffres, vos données, votre cadre financier. Comment on peut savoir où vous allez couper? Alors, premièrement, j'ai fait un engagement très clair. On va équilibrer le budget en 5 ans. Et toutes nos annonces étaient tout chiffrées par le directeur parlementaire du budget. Ça, c'est au contraire de M. Trudeau, qui a présenté une plateforme écrite sur un napkin au coin de table. Parce que aucune, plus de 50% de ces engagements n'ont aucun chiffre. Pourquoi on a présenté un cadre financier? On a présenté un cadre financier complet, chiffré, approuvé en grande partie par le directeur parlementaire du budget. Mais la réalité, c'est qu'on avait tellement d'ambition pour les investissements, les baisses d'impôts pour la classe moyenne. Mais nous, M. Scheer, on n'a pas baissé les impôts des plus riches. Vous promettez une baisse d'impôts de 50 000 $ pour les multimillionnaires. Vous avez une baisse d'impôts universelle qui aide plus les familles qui font 400 000 $ par année que 40 000 $. Parlons-en de l'équilibre budgétaire. Je veux juste donner, que finissez votre idée, après, M. Bernier, je vous... C'est un mensonge. Vous avez menti quand le Globe and Mail a sorti l'histoire. Vous avez menti quand vous avez dit que Jody Wilson-Raybould n'a jamais pris ses inquiétudes. Et vous mentez aujourd'hui. Vous êtes une menteur compulsive. La classe moyenne. Parlons d'équilibre. Et on les a augmentés pour les plus riches. Vous avez augmenté les impôts sur 80% des Canadiens de la classe moyenne. C'est exactement un à la fois. C'était bien commencé, mais ça sera un à la fois. Jusqu'à la fin, messieurs. Monsieur Bernier. Mais je regarde ici, les chefs des partis ici vous disent tous qu'ils vont équilibrer le budget en 5 ans et ils vous demandent un mandat de 4 ans. Donc, personne ne va équilibrer le budget. M. Scheer va additionner 70 milliards de dollars sur la dette. M. Trudeau va faire la même chose. C'est irresponsable. Les finances publiques, on ne peut plus additionner. La carte de crédit nationale, elle est pleine. Et pour faire en sorte, la seule promesse que je fais, vous l'avez dit, c'est des coupures. On peut couper les subventions aux entreprises. M. Scheer va continuer à donner des subventions aux entreprises. Ça, M. Trudeau aussi. Et si on veut relancer l'économie, il faut remettre de l'argent dans la poche des entrepreneurs. Les entrepreneurs bosseront en Beauce. Les entrepreneurs de partout. Mais et nous, on va le faire parce qu'on va trouver de l'argent pour équilibrer le budget et après ça. Merci, M. Bernier. C'est l'argument conservateur. On l'a entendu bien souvent. On l'a vu pendant 10 ans sous M. Harper, où vous étiez tous les deux, faisaient partie de ce parti. On a vu des coupures, on a vu des baisses d'impôts pour les mieux nantis, on a vu des sous-investissements dans l'infrastructure, dans les personnes âgées, dans nos jeunes, et ça n'a pas livré une croissance économique. Depuis 4 ans d'investissement dans la classe moyenne, on a vu
Monsieur un million d'emplois créés. Merci. On a vu les plus bas taux de chômage de l'histoire du pays. Et on a vu 900 000 personnes sorties de la pauvreté. Il y a trop de mensonges dans cet discours que j'ai tant de répondre. Les gens de leurs revenus faibles ont bénéficié le plus de notre plan économique. Et c'est l'excuse pour les grands déficits de Justin Trudeau, c'était pour dépenser l'argent dans l'infrastructure. Et la directrice du budget parlementaire a dit qu'il n'y a aucun plan. Alors, on a le pire des deux mondes. On a les grands déficits et aucun projet des infrastructures. Et le coût de ces déficits augmente et augmente. Le plus en plus d'argent des contribuables doit aller pour payer l'intérêt sur les dettes. Mais ça, c'est la raison pour laquelle vous avez aucun investissement en infrastructure. Les gens peuvent aller voir dans leur ville, dans leur communauté, les investissements en transport électrique, les investissements en logement social, les investissements qu'on a choisi de faire parce que les conservateurs sous M. Harper ont sous-investi et nous, on a fait le choix d'investir de façon raisonnable dans notre avenir et ça fonctionne. Oui, mais vous avez créé un déficit et vous avez créé actuellement l'intérêt sur la dette seulement, c'est 26 milliards de dollars par année. Il n'y a plus de marge de manœuvre, c'est irresponsable et actuellement, plusieurs économistes disent, M. Trudeau, qu'on risque de s'en aller vers une récession dans quelques années. Et si c'est le cas, ça va être désastreux pour les programmes sociaux. Il faut avoir une politique responsable et ce n'est pas en dépensant l'argent du gouvernement que vous créez la richesse. Vous ne créez pas la richesse. Il faut que nous entreprenions. Merci, M. Trudeau, M. Scheer. Des investissements dans les gens, dans les travailleurs, dans les familles, ça crée de la résilience dans les familles, dans les communautés. Ce n'est pas de garder un gros pot d'argent pour quand on en a besoin. On sait que de donner les investissements aux gens pour faire de la résilience, c'est ça qui va nous créer des opportunités dans les temps difficiles. Il reste 30 secondes, M. Trudeau. On est en désaccord avec ce crédit. On le comprend, M. Scheer. M. Scheer, il reste 30 secondes. Vous voyez dans les coupures, nous, on va investir. Justin Trudeau a augmenté le... Vos chiffres, M. Scheer, j'ai commencé à vous poser une question. Justin Trudeau a augmenté la lutte fiscale pour tous les Canadiens. Il a augmenté les impôts pour 80 % des familles de la classe moyenne. Nous avons proposé un plan d'équilibrer le budget dans 5 ans. On ne l'a pas vu. On l'a pas vu. Où sont vos chiffres? Où sont vos... J'ai pas le droit d'apporter ma plateforme, mais je l'ai montré bien souvent. Plus de 50 % de vos engagements, aucun chiffre, parce que vous avez engagé la vérité. Merci. Fin de bloc, c'est normal. Ça s'échauffe, c'est normal. Pensez aux gens à la maison à qui vous voulez envoyer vos messages. En même temps, ça passe plus. Hélène Buzetti du Devoir, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Question au chef sur ce thème de l'économie. Monsieur Scheer, on commence avec vous d'abord, très rapidement, parce que plusieurs citoyens nous ont écrit à ce sujet. Allez-vous changer l'âge de la retraite qui est à 65 ans? Non. Bon. Alors, on n'a toujours pas votre cadre financier, mais vous voulez rééquilibrer le budget en 5 ans. Le précédent gouvernement conservateur avait coupé dans la culture et la recherche scientifique. Vous, est-ce que vous allez faire la même chose pour éliminer le déficit? Alors, nous avons déjà annoncé les endroits où on va trouver les épargnants pour les Canadiens et Canadiens. On va protéger la culture, on va protéger l'investissement dans les technologies et dans la recherche. On va éliminer 1,5 milliard de dollars pour les subventions corporatives et on va couper l'aide étrangère par 25 %. On va garder cet argent ici. Chez nous, lorsqu'on peut rendre la vie plus abordable, on va baisser les impôts, on va réintroduire les crédits d'impôt pour les activités sportives. Mais donc, pas de coupure en sciences. C'est ça. Et le recensement, il reste? C'est ça. Oui, d'accord. La prochaine question est pour M. Bernier. M. Bernier, vous avez promis d'abolir la gestion de l'offre en agriculture. Alors qu'on parle de plus en plus d'acheter et de manger local, qu'est-ce que vous dites aux consommateurs qui craignent de voir leur tablette d'épicerie inondée par du lait et du poulet produits aux États-Unis, par exemple? Bien, premièrement, ils vont avoir la liberté de choix et les produits qui vont devoir venir au Canada vont devoir respecter les normes sanitaires canadiennes. C'est très important. Mais le plus important, c'est que chaque famille canadienne va sauver 400 $ par année. Et si on est sérieux, faut abolir ce système-là, qui est un système socialiste, un cartel. Mais le plus important, M. Scheer vient de dire tout à l'heure, qu'il va essayer d'équilibrer le budget en faisant des coupures. C'est facile d'équilibrer le budget. Il s'agit de couper l'aide internationale. On peut économiser 5 milliards $ Il faut rapatrier cet argent-là ici au Canada pour aider les Canadiens d'abord. Et une des choses qu'on peut faire pour aider les plus démunis, c'est effectivement abolir ce cartel, ce cartel de la gestion de l'offre où les familles canadiennes vont économiser. Merci. Madame May, votre cadre financier a été démoli parce que vous proposez d'ajouter 70 milliards $ de dépenses dès la première année.
Comment allez-vous convaincre les électeurs que vous êtes crédible en matière de finances publiques? Parce que notre plateforme chiffrée était étudiée par l'Institut fiscal et pour la démocratie avec notre ancien directeur du bureau parlementaire de budget, M. Kevin Page, et il a donné le budget une bonne note. Mm. Mais, ouais, il a donné, mais c'est vrai, nous sommes les seuls, oui, avec un tout programme compréhensif et chiffré. La réalité, c'est qu'on doit faire plus. Nous sommes un pays riche. On doit augmenter notre système pour justice sociale. On doit faire plus pour le soin des enfants, pour les garderies, pour les personnes âgées. Et c'est vraiment possible. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Monsieur Trudeau, en 2015, vous proposiez des déficits pour investir dans les infrastructures et les électeurs vous ont suivi. En 2019, vous proposez encore de vivre à crédit, d'alourdir la dette de 100 milliards, mais maintenant, c'est pour des dépenses courantes. Si jamais il y a une récession, quelle marge de manœuvre aurez-vous? Nous, on croit que l'important, c'est de pouvoir aider nos jeunes à trouver de bons emplois, à avoir l'éducation nécessaire, à aider les familles à pouvoir offrir les opportunités à leurs enfants pour qu'ils puissent grandir en sécurité avec toutes les opportunités qu'ils pourraient avoir. Ces investissements, ça a fonctionné pendant 4 ans. On a vu 900 000 personnes sortie de la pauvreté. Mais s'il y a une récession, M. Trudeau, est-ce que vous aurez les marges de manœuvre ou on va être obligé d'avoir des déficits 2 fois, 3 fois plus élevés? Oui, on va avoir la marge de manœuvre parce que notre plan a été coté triple A par les agences de crédit à l'international. Il y a juste l'Allemagne et le Canada qui ont un crédit unanime de premier plan parce que notre plan est responsable et raisonnable sur le cadre fiscal. Merci. Monsieur Singh, comme M. Scheer, vous avez ça en partage, vous n'avez toujours pas votre cadre financier, mais on sait que vous promettez des programmes très coûteux, par exemple l'assurance médicaments, l'assurance dentaire. Vous dites toujours que vous allez faire payer les riches, mais les experts nous disent qu'on surestime toujours l'argent qu'on peut aller chercher de ce côté-là. C'est connu, les riches y ont des bons fiscalistes. Alors, comment allez-vous dissiper l'impression que votre plan relève un peu de la pensée magique? Donc, ce qu'on va faire, c'est, on pense que c'est important de le faire. Donc, oui, c'est difficile de faire les bonnes choses, mais on a le courage de le faire quand même. Mais aussi, on a choisi des chiffres tellement spécifiques parce qu'on sait, avec la taxe sur l'Autriche, on a dit pour les gens qui ont plus de 20 millions de dollars, on va mettre une taxe de 1%. Parce qu'on a évalué qu'avec 1%, c'est plus difficile pour échapper l'argent que de le payer. Donc, on était par respect fait ça. Mais en général, on sait que si on augmente les financements pour le revenu, de s'assurer qu'on a ces revenus, on peut le faire. Avec les financements des employés qui cherchent l'argent dans notre gouvernement, on peut le faire. Merci. Monsieur Blanchet, enfin, vous êtes contre les pipelines, mais vous ne dénoncez toujours pas le gazoduc GNL Québec qui se rendra jusqu'à Saguenay. Dites-nous, est-ce que vous vous opposez aux hydrocarbures seulement quand c'est l'Alberta qui empoche les profits? En fait, en toute cohérence, et j'ai déjà répondu un peu à ça un peu plus tôt, il y a un bureau d'audience publique en environnement sur le projet GNL. J'étais assez clair sur le fait que je pense que les hydrocarbures puis les énergies fossiles sont les énergies du passé, qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas ces projets-là qu'il faut réaliser. Mais en toute cohérence, comme ancien ministre de l'Environnement, j'attends le rapport du BAP. Puis je m'attends pas à ce que le BAP soit favorable à GNL, mais je vais attendre. On va même déposer un projet de loi pour que le BAP ait préséance sur les institutions fédérales d'évaluation environnementale. Alors, par souci de cohérence, on va attendre le BAP va arriver, on va prendre une position sur cet enjeu-là. Je m'attends à ce que le BAP soit passablement sévère. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour vos questions. C'est la fin de ce deuxième thème. Prochain thème. Service aux citoyens. Nous avons, pour débuter ce thème, un citoyen à Toronto, à Mississauga, très exactement, Marc Gravel. Monsieur Gravel, les chefs vous écoutent. Vous voulez parler des services en français pour les minorités francophones hors Québec. On vous écoute. Bonsoir, madame, messieurs. Vivre dans une minorité est un défi. Avec les récentes coupes provinciales, c'est devenu encore plus difficile. Sur le plan fédéral, c'est pas mieux non plus parce que les services sont difficiles à avoir. Par exemple, demander à un préposé au bureau des passeports de le rencontrer, vous venez de multiplier par 10 votre temps d'attente. Air Canada, avoir un agent de bord ou un préposé qui parle français de Toronto, relève presque du miracle. Malgré les plaintes, les nombreuses plaintes auprès du commissaire, les choses ne changent pas.
Ma question est la suivante. Comment et concrètement, et quels outils donnerez-vous le commissaire aux langues officielles pour qu'il puisse enfin faire respecter cette loi et donner à tous les francophones du Canada un service adéquat et équivalent aux autres? Très clair comme question. Monsieur Scheer, vous êtes le premier à répondre. Alors, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est un enjeu très important aussi. Peut-être que ça va être une surprise, mais le français, ce n'est pas ma première langue. Et je suis natif d'Ottawa, et c'est grâce à une décision de mes parents anglophones que j'ai appris le français en une école immersion. Et je fais des grands efforts. J'apprends mon subjonctif malgré l'imparfait de mes paroles. j'ai toujours essayé d'améliorer mon français. Concrètement, j'ai eu une réunion, j'ai organisé une réunion entre tous les chefs du Parti fédéral pour régler le problème avec l'université francophone. Je vais appuyer, j'ai fait un engagement très clair pour appuyer cette université et j'ai proposé de moderniser la loi sur les langues officielles. Merci, Madame May. Oui, merci, Monsieur Le Gravel. C'est une question tellement importante parce que c'est trop longtemps que nous n'avons pas modernisé la loi sur les langues officielles. On doit le faire. Et dans la façon que, parce que vous avez demandé les réponses concrètes, la chose que je pense que c'est tellement important, c'est de donner vers le commissaire de langue officielle le pouvoir de punir. Plus de pouvoir pour exiger que toutes les agences dans le domaine fédéral présenter les services adéquats et égaux pour les deux langues officielles dans la première année de mon mandat. Merci, Madame May. Monsieur Bernier. Oui, merci de la question. C'est très important. Le fédéral devrait réinvestir dans ses champs de compétences et c'est ce qu'on va faire pour les langues officielles et pour les autres services que le gouvernement fédéral offre aux citoyens. Vous avez ici des gens autour de vous, des leaders de partis, qui vous disent qu'ils vont investir dans le logement social, dans la santé, dans l'éducation. Ce sont des champs de juridiction provinciale. Et nous, notre politique, c'est de respecter la Constitution canadienne, de ne pas s'ingérer dans les champs de compétences provinciales et de redonner les ressources au gouvernement fédéral pour s'assurer de donner les bons services en français aux francophones à l'extérieur du Québec et en anglais aux anglophones, mais aussi les autres services que vous avez parlé tout à l'heure. Un gouvernement fédéral fort, mais dans ses champs de compétences. Merci, merci, M. Bernier. M. Blanchet. Vous savez, les Québécois savent ce qu'est une minorité parce que même si les francophones du Québec, si je peux me permettre de le dire comme ça, sont majoritaires au Québec, on est très, très minoritaire en Amérique. Je suis allé en Ontario, il y a des gens qui ont trouvé ça étrange, mais les francophones hors Québec. Et les Acadiens sont nos frères et nos sœurs francophones de l'ensemble du continent et du Canada. Je pense que le commissaire aux langues officielles, pour bien faire son travail, doit ramener la notion de réciprocité. Il faut que les communautés francophones à l'extérieur du Québec et les communautés acadiennes aient le même niveau de service que les communautés ou la communauté anglophone historique et précieuse du Québec, mais il faut que les francophones au Canada et les Acadiens aient le même niveau de service que les Anglais du Québec. Merci, M. Blanchet. M. Singh. Oui, merci. Merci, M. Gravel, pour la question. Peut-être, comme vous pouvez entendre, je ne suis un francophone, mais je suis fortement un francophile. Je n'étais pas chanceuse d'avoir aucune classe d'immersion français, mais pendant ma enfance, j'ai tombé en amour avec la langue française, la langue Molière, et je veux partager cette richesse parce que c'était une richesse dans ma vie. Donc, ce qu'on veut faire concrètement, c'est de moderniser la langue officielle, de mieux financer les services français, parce qu'il faut le faire. Si le gouvernement peut faire quelque chose, veut faire quelque chose, il le fait. C'est une question de courage, c'est une question de volonté. On a la volonté parce que c'est tellement important. Merci, M. Singh. M. Trudeau. Merci, M. Gravel, pour votre question. Vous souviendrez, comme moi, longtemps de ce que M. Ford a fait dès qu'il est venu au pouvoir, de couper dans les services aux francophones, malgré qu'il s'était dit pour les gens quand il se fait élire, mais c'est ce que ça que font les conservateurs. Nous, on a su défendre les minorités francophones en Ontario et à travers le pays. On va continuer de le faire. On a fait un investissement record dans les communautés francophones ou des communautés de langues officielles en situation minoritaire à travers le pays. Et on s'est engagé à moderniser la loi sur les langues officielles. On comprend la lutte que vous vivez à tous les jours et on sera toujours avec vous. Merci, M. Trudeau. Et je remercie surtout M. Gravel d'avoir posé cette question. Merci, j'espère que ça vous a éclairé, M. Gravel. Merci. Oui, merci. Merci. Premier trio sur ce thème de service aux citoyens, M. Singh, M. Scheer et M. Blanchet. Vous êtes donc questionnés
et vous pouvez interagir, bien sûr. On a parlé, je parle de la question autochtone, on a parlé de génocide culturel, on a parlé des pensionnats, des femmes disparues, de réserves sans logement ou eau potable. Alors, la question est très simple, elle ne peut pas être plus simple. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour améliorer la condition de vie des Autochtones? Monsieur Scheer, je peux commencer avec... Monsieur Singh, je peux commencer avec... C'est encore la même chose. Moi, j'ai porté encore le turban orange pour éviter ce problème, mais on continue quand même. Donc, en fait, c'est une question tellement sérieuse. Ce que j'ai vu, c'est... Monsieur Trudeau a donné beaucoup de belles paroles en public, mais c'est vraiment les décisions qu'il fait en privé, c'est le problème. Donc, avec la communauté autochtone, c'est clair, si on veut agir dès maintenant, on peut agir. Donc, la question, c'est ça. Si on respecte le fait que les enfants autochtones ont le droit d'avoir les mêmes financements, il ne faut pas les poursuivre dans le cours de justice comme M. Trudeau a fait. Ce que je fais, je vais respecter la communauté autochtone. Ça, c'est primordial. C'est la première étape, c'est le respect et la dignité. Si on commence avec ça, ça veut dire qu'on mieux finance la communauté autochtone avec le financement égal. Très bien. C'est un débat, M. Scheer, M. Blanchet. Allez-y, M. Scheer. Merci beaucoup. Un aspect de respecter les Premières Nations, c'est de respecter quand les communautés autochtones disent oui. Disent oui aux des projets pour aider la croissance économique. Et quand on parle des communautés dans les endroits éloignés ou ruraux, les secteurs qui créent le plus d'emplois pour les Premières Nations, c'est le secteur minier, le secteur forestier et le secteur énergétique. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je vais nommer une ministre avec la responsabilité pour faire les consultations dans une manière dynamique pour assurer qu'on respecte nos obligations comme un gouvernement avec les traités. M. Blanchet. Les relations avec les premiers peuples sont marquées par un déficit de confiance parce que c'est ma compréhension, puis c'est la compréhension qu'on doit en avoir parce que ce sont de véritables nations avec les mêmes droits, privilèges, obligations et responsabilités que des véritables nations. Mais il y a une déclaration de l'ONU, il y a des enquêtes, il y a des études, il y a des commissions, et eux disent, et c'est eux qui le disent, c'est pour ça que je suis à l'aise de le dire, parce que ça doit venir d'eux, que ça ne vient pas, qu'il n'y a pas de suite concrète, qu'on ne met pas en œuvre des démarches claires, qu'on fait tout ce qui est théorique, ce qui est beau, puis pendant ce temps-là, les solutions ne se trouvent pas, le respect ne s'établit pas, la confiance ne se construit pas. Il va falloir modifier notre relation profonde avec les premiers peuples en disant que peuple ou nation, c'est pas un mot, c'est une réalité auquel ils ont droit, comme nous. Non, je suis tellement d'accord avec ce que M. Blanchet a dit. En fait, si on parle de respect, j'ai visité Grassy Narrows. C'est une communauté empoisonnée par le mercure. Mais M. Trudeau, dans un événement privé, il s'est moqué de quelqu'un qui est milité pour dire « Notre eau est empoisonnée. Qu'est-ce que vous allez faire? » Il a dit « Merci pour votre donnée. » C'est complètement incompréhensible comment quelqu'un peut faire ça. Si on a visité cette communauté, on a vu les impacts de l'empoisonnement sur le corps des gens, comment les enfants tremblent à cause de cet empoisonnement, je n'ai pas les mots pour dire comment quelqu'un peut dire ça. Bon. Ce n'est pas quelque chose très bien. Comme premier là, je vais arrêter le chronomètre sur ce trio-là. Comme vous avez pointé, M. Trudeau, sur une question très précise, je vous donne 20 secondes, M. Trudeau, pour répondre à cette question-là. Si on peut ouvrir la lumière de M. Trudeau, allez-y. Merci. Nous avons fait énormément pour investir dans les communautés autochtones à travers le pays. Nous travaillons justement avec la communauté de Grassy Narrows. On a travaillé avec eux pour approuver un centre de traitement et on va donner le financement nécessaire pour ce centre de traitement. Très bien. Alors, vous aurez votre tour. Je vais vous parler de la question autochtone. Dans votre trio, on peut refermer la lumière de M. Trudeau. Je vous lance... C'est un peu choquant, là. On trouve des milliards de dollars pour acheter des oléoducs, puis on trouve pas l'argent après des années, puis des années, puis des années pour donner de l'eau potable à des communautés autochtones. Indépendamment de la politique, c'est fondamental, c'est élémentaire. Un minimum de respect puis de dignité pour des peuples qui sont autant des peuples que nous, s'il vous plaît. Et il faut reconnaître qu'à peu près tous les partis, pas à peu près, tous les partis se sont succédés et constatent que c'est très difficile de voir des améliorations concrètes, M.
to share. Je n'accepte pas ça. C'est un défi, mais c'est essentiel que nous avons un gouvernement qui prend ses responsabilités sérieuses. Et ça, c'est mon engagement pour les Premières Nations. On va assurer qu'il n'y a pas seulement des investissements, mais un nouveau système pour assurer que l'investissement fonctionne. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi de rétablir les dynamiques dans les départements. J'ai proposé de moderniser les lois pour les Premières Nations alors qu'ils peuvent bénéficier de des ressources naturelles sur les réserves et les choses comme ça. Vous, c'est les ressources naturelles la clé, selon vous, de la réconciliation? Le problème clé, c'est qu'on a eu des gouvernements conservateurs et les gouvernements libéraux qui ont choisi de négliger les communautés autochtones. C'est ça. Ils ont eu la chance de le faire. S'ils veulent faire quelque chose pour le secteur pétrolier, ils sautent pour acheter un pipeline. Ils sautent pour donner des milliards de subventions. Surtout dans la France. Si vous faites quelque chose pour les premiers peuples, s'il vous plaît, faites-les avec les premiers peuples. Ne l'imposez pas de papa Ottawa. Ils ont droit de participer aux choix et aux décisions. Très bien. Alors, c'est la fin de ce trio. Deuxième confrontation sur ce thème et nous allons poursuivre sur le thème des Autochtones. Monsieur Trudeau, pourquoi c'est très récent, vendredi dernier, vous êtes allé en appel d'un jugement ordonnant qui vous ordonnait au gouvernement de verser 40 000 $ à des enfants autochtones confiés à la protection de l'enfance. Vous ne deviez pas être le champion, justement, de la réconciliation? Oui, et on l'est et on continue de l'être. On est d'accord avec le tribunal qu'il faut absolument compenser ces enfants et on va le faire, on va travailler avec eux pour établir les bons niveaux. Mais on a pu faire des investissements concret au cours des 4 dernières années. On a levé 87 avis d'ébullition d'eau à long terme après 10 ans de M. Harper où il n'y a rien fait. On a pu créer des nouvelles écoles, des nouveaux investissements en partenariat, justement, avec les peuples autochtones. Mais on comprend, il faut continuer. Il y en a beaucoup plus à faire. Okay. Mais le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a reconnu qu'aucun gouvernement n'en a fait plus. Mais on reconnaît on en a plus à faire. Madame May. Oh oui, monsieur Trudeau, ce n'est pas vrai. Parce que le tribunal des droits humains a un jugement et l'avocat de notre gouvernement, votre gouvernement, a contesté le résultat. Ce n'est pas vrai que vous avez dit que vous avez à l'aise avec la décision. Les avocats du gouvernement fédéral ont fait un effort de reverser le jugement en faveur des enfants autochtones. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est un vrai scandale. On est d'accord avec le tribunal qu'il faut compenser ces enfants. On a encore des problèmes. Alors pourquoi, pourquoi avoir fait appel, M. Trudeau? Alors? Parce que l'échéancier de le faire d'ici décembre ne fonctionne pas avec les élections qu'on est en train d'avoir. On va compenser ses enfants, mais ça prend un peu de temps pour l'avoir de la bonne façon. On a encore des problèmes aujourd'hui. Il n'y a pas de réserve. Tous les réserves n'ont pas d'eau potable. Ce n'est pas une question d'argent pour livrer ces services-là. Il y a 21 milliards de dollars que le gouvernement fédéral dépense dans les relations avec les Premières Nations. Il faut changer le système. Le statu quo ne fonctionne pas. Et ça fait des années, comme vous le dites, qu'on essaie de bâtir une meilleure relation avec les Premières Nations. Ce qu'il faut faire, c'est bien clair. Il faut abolir la loi sur les Indiens. Il faut s'assurer qu'il y ait plus d'autonomie sur les réserves. Il faut s'assurer de développer un droit de propriété sur les réserves. Il faut qu'il y ait de la richesse qui se crée sur les réserves. Et oui, il faut aussi développer des pipelines pour s'assurer, en collaboration avec les Premières Nations, que la richesse puisse arriver sur les réserves. Ce n'est pas une question d'encore plus d'argent du fédéral. C'est une question de changer notre relation avec les Premières Nations. M. Trudeau, rapidement. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut passer au-delà de la loi sur les Indiens, mais c'est à eux de décider le rythme avec lequel ça se fait. Il y a plusieurs communautés qui l'ont déjà fait. On travaille avec toutes les communautés pour qu'ils puissent le faire, mais à leur rythme et dans le respect de leurs priorités. Très bien. Je veux vous envoyer une question. Je vais redemander d'ouvrir les lumières pour les 6 exceptionnellement en régie parce que je veux vous poser la question sur la culture. On l'a abordé trop rapidement tout à l'heure. Vous promettez, un certain nombre d'entre vous promettez, M. Trudeau, ça a été long, mais vous l'avez promis dans vos engagements, d'imposer ou taxer les géants du Web. Vous engagez-vous à remettre cet argent aux créateurs, aux artistes qui produisent des contenus et qui reçoivent, mais on va se le dire, des miettes et qui reçoivent des miettes. M. Trudeau, rapidement, chacun. On va en faire plus que juste ces recettes-là en investissement en culture. Écoutez, c'est notre proposition.
3 % de redevances. C'est pas un impôt, c'est des redevances parce qu'ils exploitent commercialement des contenus qui leur appartiennent pas. 3 % des centaines de millions de dollars par année réservés aux médias et à la culture et au divertissement. Et aux artistes. Donc 40 % et aux artistes. Forcément, c'est dedans. Donc 40 % réservés au secteur francophone, comme ça se fait en musique. Merci, M. Scheer. On peut répondre en long, oui, parce que j'aurais dit plus. Non, mais M. Scheer. On va imposer une taxe sur les géants de web qui ramassent beaucoup d'argent ici de notre économie, et on va assurer que cet argent va pour appuyer nos programmes. Et aussi, on va créer une nouvelle régie pour le nouveau média numérique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent le contenu, mais il n'y a aucune revenu parce que les géants comme Facebook et Google ramassent tous les revenus. Vous n'êtes pas là-dedans, vous ne taxez pas, M. Bernier. Non, moi, ce que je dis, c'est inéquitable actuellement que les gens ne paient pas, ces grands du web-là ne paient pas de TPS. Il faut qu'ils la paient comme les autres, près d'équitable. Les artistes. Et pour l'argent qu'on va avoir, nous, c'est la juridiction du Canada. Après l'équilibre budgétaire, oui, on veut réinvestir. Très bien. Madame May, rapidement. Oui, c'est une source de revenus pour exactement ce que vous proposez, pour aider les artistes, pour donner leurs revenus vers notre communauté culturelle, mais je veux ajouter seulement une chose, parce que je travaille comme avocat. Ce n'est pas vrai que le premier ministre a dit que la tribune de droits humains pour les peuples autochtones, c'est vraiment ouvert au gouvernement de demander plus de Très bien. Temps. Monsieur mais le problème est, M. Trudeau, il flash à gauche pendant la campagne électorale, il dit tout ce qu'il veut, mais il tourne à la droite quand il est au gouvernement. Oui, il faut taxer les géants de web, et oui, il faut réinvestir dans la culture pour les artistes et pour les créateurs, oui. Fortement, oui. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre collaboration. Je pense que c'est éclairant pour les gens qui nous regardent. J'appelle Patricia Cloutier. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Qui va vous poser des questions aussi en rafale. On va accélérer le rythme. Des questions très concrètes, vous allez voir. Très intéressante. Patricia. Je vous rappelle, j'attends des réponses courtes, 15 secondes environ. Des millions de Canadiens se sont fait voler ces derniers mois leurs données personnelles. Êtes-vous prêt à faire comme la Grande-Bretagne et à pénaliser les entreprises responsables d'une fuite de données? Monsieur Singh. Oui, bien sûr. Les banques sont responsables de garder la privacité des gens. Et quand on a des situations qui arrivent comme ça avec les banques où la privacité est brisée, c'est la responsabilité des banques. Et oui, il faut avoir des répercussions. Merci. Monsieur Trudeau. On a créé une charte pour défendre les droits numériques des citoyens. On travaille avec la Grande-Bretagne et la France pour s'assurer que les citoyens puissent avoir contrôle de leurs données, qu'ils puissent avoir le contrôle de leurs informations. Merci. Monsieur Blanchet. Nous proposerons au Parlement que les... On va proposer au Parlement, d'une part, que les mesures d'identification des clients soient beaucoup plus sévères. Deuxièmement, que les déclarations soient faites. Chaque fois qu'il y a une fuite de renseignements, il faut que l'entreprise déclare la fuite de renseignements. À la fin de l'année, qu'elle déclare l'ensemble des fuites qu'il y a eu dans l'entreprise et couvre les frais qui pourraient être encourus par les clients. Très bien. Monsieur Bernier, maintenant. Oui, à la protection des renseignements personnels et aucune entreprise est au-dessus de la loi. Merci, Madame May. C'est presque unanime, oui. Bon, on doit protéger les Canadiens contre les choses comme ça. Les banques sont négligentes et on doit protéger les droits des consommateurs. Monsieur Scheer, maintenant. Oui, on va protéger les consommateurs, les Canadiens et Canadiennes et assurer l'intégrité de leurs données. Mais je dois dire que c'est le gouvernement de Justin Trudeau qui a essayé de donner la permission aux Statistics Canada pour ramasser l'information sans consent des Canadiens. Ça, c'est inacceptable. Statistics Canada, voyons, non, les conservateurs, vous avez, vraiment. Les données financières, bancaires, vous avez donné la permission. C'est seulement quand l'opposition que le département a... Prochaine question, Patricia. Exact. On n'est pas dans un moment de débat. J'ai une autre question pour vous. Les Canadiens attendent depuis longtemps un train à grande fréquence entre Québec et Toronto. Vous engagez-vous à réaliser ce projet de transport et si oui, quand? Monsieur Singh, d'abord. Oui, c'est un engagement dans notre plateforme. On a déjà engagé ça parce que ça touche comment on peut faire face à la crise climatique en investissant dans le transport en commun. Donc, oui, on est tellement pour le train à grande fréquence. C'est un élément de comment on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Merci. On veut le faire tout de suite. Merci, M. Trudeau. C'est nous qui chapeautons le projet. On s'est assuré que ça passe par Trois-Rivières, que ça se rende à Québec. Il y a encore du travail à faire là-dessus, mais on est un gouvernement qui a choisi d'investir dans les infrastructures, contrairement au gouvernement conservateur, dont les provinces qui ne veulent pas investir dans les infrastructures. Merci. M. Blanchet. Madame, ce train-là, c'est le Sasquatch. On en parle tout le temps, on ne le voit jamais. Il a été promis par les libéraux en 2015. Je me rappelle, M. Champagne disait même que ça allait arrêter à Shawinigan.
Et là, ils ont dit quoi cette année? Ils ont dit, ah, on va peut-être faire une étude parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sur le bord d'embarquer dans le train. Merci. Monsieur Bernier. Tout le monde promet des investissements avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est de l'argent qu'on n'a pas et c'est bien, il faut le dire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que non, il faut équilibrer le budget en premier et on ne commencera pas à plaire à tout le monde en essayant d'avoir des votes. Ce n'est pas responsable de vouloir dépenser des milliards de dollars quand il y a d'autres choses à faire pour équilibrer le budget avant. Merci, Mme May. Merci, Mme Cloutier. Absolument. Dans notre plan Mission possible, on doit mettre sur pied un système de transport en commun de côte à côte à côte, particulièrement entre Toronto et Québec et aussi entre Edmonton et Calgary. Nous avons un système de transport en commun qui c'est vraiment pour le Mexique. Merci. Enfin, M. Scheer. Et seulement 60 % des fonds de le programme d'infrastructure sont dépensés sur les grands projets. Oui, j'ai eu une discussion avec Yves Lévesque, notre candidat à Trois-Rivières. On a pris ce projet parce qu'elle va aider dans la croissance économique et rendre la vie plus simple pour les gens dans la région. Et on va le faire, pas comme M. Trudeau qui fait les promesses, mais elle brise. Merci bon, à tous. On pourra prendre le train un jour. C'est pas tout à fait calme. Merci beaucoup, Patricia. Merci. Merci. Alors, prochain thème. Politique étrangère et immigration, nous débutons avec un citoyen. Il est à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Philippe Marcille. Je crois que vous êtes à l'Université de Moncton, M. Marcille. Bonsoir à vous. Les chefs vous écoutent. Votre question. Bonsoir, les chefs. Comme vous le savez, avec les événements qui se déroulent à Hong Kong, l'emprisonnement des deux Canadiens et les nombreux manquements face aux droits humains en Chine, seriez-vous prêt à cesser les échanges commerciaux si la situation ne s'améliore pas? Merci beaucoup pour votre question. Première réponse, M. Bernier. Oui, la priorité est bien claire, c'est de faire en sorte que les Canadiens puissent être retour au Canada. Et actuellement, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est les relations avec la Chine qui sont pas leurs meilleures, si on peut dire, mais pas seulement la Chine, avec d'autres pays, à cause du gouvernement Trudeau. Donc, ça serait une priorité. Comment faire? Bien oui, il faut avoir l'aide de nos alliés, mais aussi, en même temps, regarder nos relations commerciales avec la Chine. Et ça peut être quelque chose qu'on va évaluer pour imposer des tarifs si jamais on n'a pas la réponse à ce qu'on veut, c'est rapatrier ces Canadiens-là le plus rapidement possible. Et aussi, ce que je peux vous rajouter, c'est que c'est important de s'assurer qu'on ait des bonnes relations avec l'ensemble des autres pays, parce qu'avec M. Trudeau, avec les États-Unis, on n'a pas la meilleure entente, et avec l'Inde aussi, c'est un désastre. Merci. Merci, M. Bernier. M. Trudeau. On reconnaît que la priorité, c'est toujours de défendre les intérêts des Canadiens et de défendre les Canadiens. C'est pour ça qu'on a justement fait activer tous nos alliés autour de la planète pour mettre la pression sur la Chine, pour leur dire que non, ça ne se fait pas de détenir de façon arbitraire des Canadiens pour une raison politique. On va continuer de chercher à résoudre cet enjeu, tout en reconnaissant que la Chine est une économie en croissance qui prend beaucoup plus de place, qui crée des opportunités économiques pour nos producteurs, pour nos travailleurs, mais nous devons toujours être là pour défendre nos valeurs, nos principes, et c'est ce que nous allons toujours faire. Merci, M. Trudeau. M. Scheer. Ce n'est pas une grande surprise que le gouvernement de la Chine ne respecte pas Justin Trudeau. Après de son voyage désastreux en Inde, il y a beaucoup des chefs d'État de G20 qui ne respectent pas. Monsieur Trudeau n'a rien fait pendant 9 mois pour protéger les Canadiens et les Canadiennes, pour les intérêts des Canadiens. J'ai dit que, comme premier ministre, je vais retirer l'argent canadien de la Banque d'infrastructure asiatique. Il y a aucune... Ça, c'est une banque qui a été contrôlée par le gouvernement de la Chine. Il n'y a aucune bonne raison pour l'argent des contribuables d'aller pour construire les ponts et les routes dans les autres pays et qui appuie la politique étrangère de la Chine. On va y revenir à ça. Monsieur Singh. Oui, la priorité, c'est les Canadiens qui, à ce moment, sont dans une situation tellement difficile. Donc, il faut agir dès maintenant pour les aider. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. En plus, oui, la question sur qu'est-ce qu'il faut faire avec la Chine, il faut être fort pour montrer qu'on défend les droits de la personne. Ce qui se passe à Hong Kong, c'est tellement inquiétant, le fait que les gens font face à des grandes opprimations contre le droit. Mais avec M. Trudeau encore, on voit qu'il va flasher à gauche pendant la campagne, dit toutes les bonnes choses, mais il va tourner à droite pendant qu'il est au gouvernement. Ce que je veux dire, pourquoi elle n'a pas arrêté de vendre des armes à Saudi Arabie? Merci, parce qu'il n'a pas le courage de la faire. Merci, M. Singh. Madame May.
Oui, merci, monsieur, et merci, Philippe Marcel. Nous avons un éléphant dans la chambre. C'est le traité que monsieur Harper a accepté avec la Chine. C'est dans le Parlement, le dernier Parlement, mais c'est jamais dans les débats du Parlement. Ce n'est pas un seul vote. C'est un traité très énorme avec les investisseurs de la République de la Chine qui a donné déjà les droits des entreprises de la Chine de charger le Canada quand nous avons les lois que la Chine n'aime pas, contre les lois pour protéger l'environnement. Et c'est tout à fait en secret. C'est quelque chose de mauvais. Merci, merci. Monsieur Blanchet, finalement. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les agriculteurs sous gestion de l'offre de la circonscription de Belleuil-Chambly puis de la vallée du Richelieu, parce que de mauvaises négociations commerciales leur ont coûté 8,4 % de leur part de marché. Après ça, le gouvernement canadien s'est fait l'instrument des États-Unis et s'est pogné une chicane avec la Chine. Malheureusement, la réponse, c'est qu'on ne peut pas être en chicane perpétuelle avec un géant. On ne peut pas jouer des bras avec la Chine. Malheureusement, c'est impossible. Et là, c'est les producteurs de porc, de soya, de canola qui paient le prix de ça. Alors, malheureusement, il faut maintenir une relation commerciale avec la Chine. Et j'espère qu'on pourra revenir aussi sur un autre, c'est l'Arabie saoudite, le traitement de Raif Badawi, la vente d'armes à l'Arabie saoudite, qui choque beaucoup de gens au Québec. Il faut que ça cesse. Merci, M. Blanchet. Alors, M. Marcel, merci beaucoup de votre question. Et nous poursuivons sur le thème. Alors, on va poursuivre sur ce thème de la Chine et sur cette crise diplomatique. Depuis, donc, 10 mois maintenant, on vient de faire mention de ça, il y a 2 Canadiens qui sont emprisonnés en Chine en représailles à l'arrestation de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei. Monsieur Scheer, vous voulez durcir le ton envers la Chine et imposer des tarifs douaniers. Est-ce que c'est la méthode Trump que vous proposez? Pas du tout. C'est un contraste à la méthode d'inaction de Justin Trudeau. Parce que c'est clair que pendant cette crise, il n'a rien fait. Il a pris 9 mois de nommer un nouveau ambassadeur et il a pris 9 mois. C'est seulement juste avant le déclenchement des élections qu'il a fait une crainte pour le Tribunal mondial pour le commerce. Avec mon approche, on va montrer au gouvernement de la Chine qu'on va défendre nos intérêts, on va défendre nos producteurs agricoles et on va défendre les Canadiens qui y sont détenus. Et une autre chose, je dois dire, l'excuse pendant cette crise pour ne pas, au part du gouvernement, de ne pas ingérer dans l'affaire de l'exécutif de Huawei, c'est que le gouvernement ne peut pas, le premier ministre ne peut pas ingérer dans une poursuite criminelle. Mais pendant l'affaire de SNC-Lavalin, c'est Justin Trudeau qui a essayé d'ingérer. Ça, c'est nuire notre position versus le gouvernement de la Chine, parce qu'avec Trudeau, il a dit quelque chose, mais fait les choses d'autre. Faisons la comparaison. Le Canada a à peu près le même poids relatif face à la Chine ou face aux États-Unis ou face à l'Europe qu'il y a toujours eu. Et les relations commerciales avec l'Europe ou l'Asie ont fonctionné relativement bien. Pourquoi est-ce que récemment, ça s'est mis à aller tout croche? Ça s'est mis à aller tout croche parce que la crédibilité de l'interlocuteur, et ça compte, la crédibilité de l'interlocuteur, n'est pas à la hauteur. Il y a eu un discrédit international, ce qui a fait que le président des États-Unis peut quitter une rencontre, nier un communiqué qui a été émis, se moquer du premier ministre du Canada. Je pense qu'il y a une question de respect qu'un pays, qui est quand même un pays du G20, doit exiger. Monsieur Bernier. Mais la politique étrangère du Canada doit être axée sur la sécurité et la prospérité des Canadiens. Et j'aimerais faire remarquer que dans ce thème-ci, c'est politique étrangère et immigration. Et je suis seul ici sur le plateau qui est prêt à faire en sorte à dire oui au gouvernement Legault en ce qui concerne l'immigration. Le gouvernement Legault veut un seuil d'immigration plus bas et s'assurer d'avoir plus d'immigrants économiques. M. Scheer veut toujours avoir plus d'immigrants. Il est d'accord avec M. Trudeau à 350 000 par année. Vous n'avez pas de solution pour régler la route, les gens qui passent illégalement à la route Roxane. Et ça c'est important. Il faut s'assurer que les gens... Sur l'immigration, d'ailleurs, M. Bernier, c'est clair, on le sait, il veut baisser les seuils d'immigration. Vous, c'est quoi votre position là-dessus? J'ai fait une grande tournée du Québec à l'écoute des Québécois. Dans chaque endroit, j'ai entendu la même chose. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je suis préparé de travailler avec M. Legault pour donner plus d'autonomie au Québec pour l'immigration. Et je suis le seul préfet. Et je dois dire qu'avec plusieurs députés bloquistes, on ne peut pas
faire parce que Justin Trudeau va rester comme premier ministre. Monsieur... Avec les sièges bloquistes, ça va garantir que Justin Trudeau va continuer Monsieur Legault de veut... prendre, j'aimerais prendre aucune la parole action là-dessus. Pour régler la situation à nos frontières. Monsieur Blanchet, vous avez été... On nous dit, voter pour le Bloc, c'est voter pour les libéraux. Ah, voter pour le Bloc, c'est voter pour les conservateurs. Voter pour le Bloc, c'est voter pour le Québec, Monsieur... parce qu'on s'en va dans un Parlement, c'est une démocratie. Première chose. Deuxième chose, Monsieur Legault et le gouvernement du Québec ont demandé clairement les pouvoirs, pas un petit peu Monsieur... de pouvoir le mercredi après-midi, les pouvoirs en immigration, sauf ceux qui touchent à la sécurité. Alors, c'est ce que vous devriez vous engager tout le monde à confier au Québec, notamment pour les enjeux économiques. Vous aimez, sur l'immigration. Vous aimez prétendre d'être le meilleur ami de M. Legault, mais honnêtement, soyez honnête, après l'élection, vous allez travailler. Monsieur Scheer, vous écoutez pas M. Bernier. Monsieur Sarah, que le Québec devrait avoir tous les attributs de la souveraineté. C'est important, M. Bernier. Monsieur Blanchet, voici le meilleur exemple d'une cacophonie. Ouais. Les gens n'ont rien compris. Monsieur Roy, et il reste 48 secondes. Tant pis pour vous. Bon, il reste j'ai 48 secondes. Non, vous n'avez pas 48 secondes, vous avez 20 secondes. Allez-y. Ben, je crois que vous avez été inéquitable là-dessus. Ce qui est à dire, c'est que M. Scheer n'est pas d'accord avec M. Legault, qui veut avoir des entrevues avec chaque immigrant, qui veut s'assurer d'avoir un test de valeur. Ça, il n'est pas d'accord avec le test de valeur. C'est vrai. Et il est en train de dire aujourd'hui qu'il va régler la route Roxham. Vous ne le réglez pas. Et si on veut vraiment avoir plus d'immigrants de nature économique, il faut avoir moins de réfugiés. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut aider les vrais réfugiés. Que vous leur Très bien. En danger Merci, dans Monsieur Bernier. Pays. Merci, Monsieur Bernier. Monsieur Scheer, 10 secondes. Monsieur Blanchet, 10 secondes. Je vais prioriser les réfugiés qui quittent la guerre civile, qui quittent les désastres naturels, pas qui viennent de l'État de New York. Et je vais régler le fait dans l'entente de Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais appliquer les mêmes principes dans les endroits comme Roxham. On va assurer que notre système se concentre sur secondes, les vrais réfugiés. Blanchet. Deux choses. Appliquer l'article 10 de l'entente entre les tiers pays sûrs pour fermer le chemin Roxham et forcer les gens à passer par les vrais postes frontaliers. Respecter la démocratie, les gens qui votent pour le Bloc ont le droit. Très bien. Autre trio. M. Singh, Mme May, M. Trudeau. M. Trudeau, on poursuit la discussion sur l'immigration. Est-ce que vous êtes prêt à donner les pouvoirs que le premier ministre du Québec vous demande en immigration? Il y a l'histoire du test des valeurs et il y a aussi la possibilité de baisser les seuils pour une catégorie d'immigrants. Bien, on a travaillé et M. Legault a baissé les seuils d'immigration pour le Québec parce que le Québec a beaucoup de pouvoir en matière d'immigration, plus que toute autre province, et c'est une bonne chose à cause de l'identité québécoise et la protection de la langue. D'ailleurs, s'ils veulent appliquer un test lors du certificat de sélection, c'est tout à fait correct et c'est approprié qu'ils le fassent. On reconnaît l'importance que le gouvernement de Québec ait plus de contrôle sur l'immigration. C'est quelque chose que nous avons toujours bien travaillé avec le gouvernement du Québec depuis 4 ans dessus. Très bien. Trio vert. Madame May, Monsieur Singh. Oui, monsieur. Les verts, nous sommes absolument ouverts de parler avec Monsieur Legault parce que nous, comme verts, nous sommes absolument engagés de travailler avec la nation québécoise d'égal à égal. Mais au niveau fédéral, au niveau pour tout notre pays, nous sommes engagés pour augmentation du niveau de immigration à cause de deux choses. Nous avons besoin des travailleurs et travailleuses et en même temps, nous avons les obligations parce que nous sommes un pays industrialisé. Nous avons contribué plus que notre nombre de population de crise climatique et nous avons le problème des réfugiés climatiques. Très bien, M. Singh. Oui, on est prêt de travailler avec le Québec, c'est tellement important. On veut mieux financer les mieux intégration des gens. Mais quelque chose m'a chialé un peu. M. Blanchet a dit voter pour le Bloc, c'est voter pour le Québec. Et ça m'a chialé un peu parce que, oui, le Bloc, c'est vous. Mais le Québec, c'est une diversité d'opinions, c'est une diversité des régions, c'est une diversité de voix. Donc, vous n'avez pas un monopole sur le Québec. Pas du tout.
Vous n'avez pas un monopole. Et d'ailleurs, j'allais justement dire la même chose parce que je suis fier québécois et je suis fédéraliste et je suis fier canadien. Et ce qu'on a vu en 2015, c'est que les Québécois ont choisi de faire partie d'un gouvernement et c'est ça qui a mis fin à 10 ans de M. Harper qui n'investit pas en culture, qui coupait partout et qui proposait de l'austérité. Et maintenant que le Bloc veut reprendre une place et vouer les Québécois encore une fois à l'opposition, les Québécois doivent réfléchir très, très clairement, est-ce qu'ils veulent faire partie d'un gouvernement qui va continuer à lutter contre les changements climatiques, à travailler main dans la main avec Québec sur des priorités communes? C'est exactement ce qu'on fait depuis 4 ans et ce qu'on va continuer de faire. Donc, M. Trudeau, c'est clair que vous donnez des belles paroles maintenant, mais en fait, vous êtes premier ministre de vos petits amis. Vous avez rencontré des secteurs pétroliers 1500 fois. Et puis après, ce n'était pas hasard que vous avez acheté une pipeline. Très bien. Vous avez continué Permettez-moi, on n'est pas sur le sujet. On était sur l'immigration. Oui. J'ai accepté parce que l'immigration, au pouvoir du Québec, ça a débordé. Mais là, on revient pas aux pipelines pour l'instant. Oui. Madame May. Merci, M. Roy. Au sujet de l'immigration, M. Trudeau, vous avez fait quelque chose que vous avez promis de jamais faire. Et ça, c'est de cacher les lois dans les projets de loi omnibus budgétaires. Et dans le dernier projet de loi omnibus budgétaire, vous avez caché les choses avec une violation des droits des réfugiés. Donc, caché dans un projet de loi omnibus, nous avons les choses qui arrêtaient les droits humains, annulaient les droits humains des personnes qui veulent faire chercher une vie sécuritaire ici au Canada. C'est tout à fait faux, Madame May. Nous comprenons que les Canadiens croient qu'on devrait avoir un système rigoureux et équitable qui s'applique à tout le monde. Et on est en train de suivre toutes les normes et on est en train de mener les normes à l'international pour protéger les droits de la personne, pour s'assurer que tout le monde qui arrive dans nos frontières, que ce soit de façon régulière ou irrégulière, passe par l'intégrité de notre système d'immigration. On a un système fort qui continue à s'appliquer, mais il y a des gens qui misent sur la peur et la division comme on voit partout dans le monde. On a une solution claire pour régler le problème de traverser la frontière irrégulière. Ça, c'est de suspendre l'accord de tiers pays sûr. Mais vous n'avez pas le courage de le faire parce que vous n'avez le courage de dénoncer quelqu'un comme Trump qui met les enfants dans des prisons. Ce n'est pas sécuritaire pour eux. Donc, pourquoi vous n'avez pas le courage de dire non à Trump, de suspendre le tiers pays sûr? J'apprécie l'opportunité de parler des relations avec les États-Unis parce qu'on est dans une situation de relations internationales. Et les relations avec les Américains, c'est la relation la plus importante pour un premier ministre canadien ou pour un pays. On a pu sécuriser l'ALENA dans un moment de protectionnisme et imprévisibilité. Vous avez des brèches. On a pu des brèches sur la gestion de l'offre. Vous avez augmenté les prix des médicaments. Vous avez Merci, M. Singh. La question, 10 secondes, c'était l'accord sur les tiers pays sûrs. Oui. Est-ce qu'il s'ouvre ou il ne peut pas s'ouvrir? On continue de le travailler avec les Américains. Ça, c'est un non. Alec Castonguay va se joindre à moi pour poser des questions donc à chacun des chefs en rafale. Alec Castonguay, chef du bureau politique de l'actualité. Bonsoir Patrice. À vous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Première question pour M. Trudeau. Plusieurs citoyens nous ont écrit parce qu'ils sont inquiets, préoccupés par la cinquantaine de migrants qui arrivent chaque jour sur le chemin Roxham à la frontière canadienne. Est-ce que pour vous, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Parce que on est dans un monde maintenant où 60-65 millions de personnes sont des migrants, sont des gens déplacés. On reconnaît qu'on a une responsabilité de passer ces gens-là dans l'intégrité, de façon rigoureuse dans notre système d'immigration, et c'est ce qu'on fait. On a fait les investissements nécessaires. Il n'y a pas de passe-droit à la frontière. Tout le monde qui vient, de façon régulière ou irrégulière, a ses vérifications de sécurité et passe dans toutes les étapes de notre système d'immigration. Merci, M. Trudeau. Madame May, le réchauffement climatique est un problème planétaire et pas seulement canadien. Dans les 10 prochaines années, la Chine prévoit ouvrir 6 nouvelles centrales au charbon chaque mois. Comment s'assurer que les efforts canadiens ne sont pas anéantis, annulés par les autres pays? Ce n'est pas possible pour moi de donner une garantie, mais je suis absolument certaine que ce Canada reste comme maintenant,
comme un pays industrialisé, riche, qui sont absolument engagés d'augmenter les niveaux de gaz à effet de serre. C'est impossible pour nous de jouer un rôle dans le monde, dans les négociations des Nations unies. Nous avons eu, dans le temps passé, le rôle de leader. Nous avons perdu ce rôle à cause de notre absolument échec contre le désastre du changement climatique. Je suis certaine qu'avec un plan comme Mission Possible, nous pouvons encore jouer un rôle comme leader. Merci, Madame May. Monsieur Bernier, vous souhaitez que le Canada accueille moins d'immigrants, moins de réfugiés. Vous souhaitez couper dans l'aide aux pays pauvres. Vous souhaitez vous désengager de l'ONU. Est-ce que le Canada a un rôle à jouer dans le monde? Effectivement, le Canada a un rôle à jouer dans le monde avec ses alliés, mais d'abord, il faut aider les Canadiens en premier, c'est ce qui est important. Et en ce qui concerne l'immigration, vous avez raison d'en parler, parce que M. Trudeau a laissé sous-entendre tout à l'heure que notre position sur l'immigration est une position radicale. Lorsque 49 % des Canadiens veulent un seuil d'immigration plus bas, et on est le seul parti ici qui en parle, on est seulement 6 % des Canadiens veulent encore plus et plus d'immigration. Nous, ce qu'on dit, il faut orienter ça sur l'immigration de nature économique, et il y a un coût. Il y a un coût social à avoir toujours plus et plus d'immigration. Regardez juste sur les maisons, le prix des maisons à Toronto et aussi en Vancouver. 41 % des immigrants vont dans ces grandes villes-là et ça fait une pression à la hausse sur les logements là-bas. Donc, il faut s'assurer d'avoir un seuil plus bas. Merci. Monsieur Scheer, vous souhaitez diminuer de 25 % l'aide aux pays pauvres, ce qui ramènerait la contribution canadienne à son niveau de 1965. Est-ce que vous tournez pas le dos à la tradition canadienne? Pas du tout. On va éliminer 25 % de l'aide étrangère qui, à ce moment, vont à les pays relativement avec les revenus élevés. On va garder cet argent ici pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. On va payer pour notre base d'impôt universel, ça c'est 850 $ pour une couple de revenus moyenne, et on va éliminer la TPS sur les factures domicile d'hydro. Et tout ça en coupant l'aide aux pays pauvres. Et aussi les subventions corporatives. Et aussi, on va avoir notre plateforme tout chiffrée bientôt. Et c'est au contraire que M. Trudeau qui cache les chiffres de plus de 50 % de ses engagements. Merci, M. Scheer. M. Blanchet, vous avez dit que le Canada aurait dû se mêler de ses affaires et ne pas arrêter la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis. Selon vous, est-ce que la règle de droit est négociable en fonction de la puissance du client ou du pays? Je pense que ce n'était pas simple de même. La réalité est que les États-Unis ont invoqué des règles de droit qui rentraient dans des notions de commerce. Ce n'était pas le geste criminel, c'était vraiment lié à des sanctions. C'est complexe. C'était lié à des sanctions que le Canada n'a pas à cautionner. Et lorsque tu embarques sur une patinoire comme ça contre un adversaire, ça devient un adversaire aussi puissant que la Chine, et que c'est des agriculteurs du Québec ou des agriculteurs de l'Ouest qui paient le prix de ça, tu t'es comporté de façon que je qualifierais d'irresponsable. Faut que tu penses aux conséquences. Et les Américains ne sont pas venus aider le Canada par la suite. Ils n'ont rien fait. Comment on fait pour faire respecter nos traités d'extradition si on ne répond pas à nos alliés quand eux demandent? Dans le cas présent, c'était un traité d'extradition, c'était un enjeu d'extradition lié à des sanctions commerciales imposées par les Américains qui n'étaient pas liées à des gestes criminels de cette dame-là. Merci, M. Blanchet. Monsieur Singh, chaque fois que le Canada signe un accord commercial, que ce soit avec les États-Unis ou avec l'Europe, le NPD s'y oppose. Êtes-vous libre-échangiste ou protectionniste? Donc, pour moi, c'est une question de quelle sorte d'échange. Pour moi, si l'échange donne un avantage aux travailleurs, le travail, c'est bon. Mais ce qu'on a vu avec M. Trudeau, il veut avoir des échanges, et aussi avec M. Scheer comme un conservateur, il veut avoir des échanges qui donnent tout le pouvoir, tout le bénéfice aux plus riches, mais ça n'aide pas de tous les travailleurs et travailleuses. Ce que je veux voir, c'est des accords où on donne des bénéfices, des avantages pour les travailleurs et travailleuses. Parce que je ne travaille pas pour les plus riches, je travaille pour vous, pour les gens. Mais M. Singh, l'Europe et les États-Unis ont quand même des valeurs qui ressemblent au Canada pour les travailleurs. Pourquoi ne pas être d'accord avec ces accords-là? Donc, par exemple, avec l'ALENA, on a eu des brèches dans la gestion d'offres. On a eu une augmentation des prix des médicaments et finalement, pas de protection pour les travailleurs ou l'environnement. Merci, M. Singh. Merci, Alec, pour vos questions. Merci beaucoup, messieurs. Merci, dames. Merci beaucoup. Prochain thème. Identité, éthique et gouvernance. Nous lançons le thème avec une question d'une citoyenne. Elle est à Montréal, Lise Pigeon. Bonsoir, Madame Pigeon. Bonsoir, Patrice.
Alors, nous vous écoutons. Les chefs vous écoutent. Votre question. J'ai 63 ans. Je suis atteinte de sclérose en plaques depuis près de 30 ans et surtout d'arthrite rhumatoïde sévère depuis 12 ans. Je ne marche plus. Je souffre. Je porte des culottes d'incontinence. J'ai des plaies de pression et j'en passe. Madame May, messieurs, afin de permettre à vos proches et à nous tous un jour d'avoir le droit de mourir dans la dignité, promettez-vous aux électeurs, oui ou non, d'alléger la loi actuelle, comme le recommande la juge Beaudoin de la Cour supérieure du Québec, mais ce, bien sûr, sans créer d'embûches supplémentaires. Merci. Merci infiniment, Mme Pigeon. Je vous reviens après les réponses. Mme May, vous êtes la première à répondre. Mme Beaujon, je suis vraiment touchée par votre situation et je veux donner à vous mes sympathies et aussi un engagement. Parce qu'on doit changer cette loi. J'ai fait mes efforts dans le Parlement, dans l'étude du projet de loi pour permettre l'aide en mourir et la dignité, les droits des citoyens de choisir la façon et le moment de mourir en dignité. Je veux faire encore la même chose dans le prochain Parlement. Merci, Madame May. Monsieur Singh. Madame, ma réponse est oui. Et merci infiniment pour avoir le courage de partager une question assez difficile et pour partager votre histoire, qui est aussi tellement difficile. Ça prend beaucoup de courage et je veux vous remercier. Et c'est clair qu'avec le jugement au Québec, que les critères sont trop limités et ça ne donne pas la dignité. Donc, ce que je veux faire, c'est d'enlever les limites parce que c'est trop limité. Je veux vous donner plus de pouvoir d'avoir le droit de mourir dans la dignité. C'est une décision difficile, mais il faut avoir accès à ce droit important. Donc oui, je suis avec vous et oui, on peut le faire. Merci, M. Singh. M. Blanchet. La réponse est très évidemment oui. C'est un phénomène très nouveau. C'est une loi, c'est une philosophie nouvelle au Québec comme au Canada. Et je vous félicite et je félicite les gens qui sont allés au tribunal parce que vous vous êtes emparés de cette loi-là. Vous avez dit, maintenant, c'est à nous. Puis on veut aussi participer à comment ça va se vivre puis à comment ça va s'appliquer. Je pense que le gouvernement, les gouvernements, doivent s'engager fermement à respecter le jugement sans condition, quitte à travailler en parallèle par la suite, à continuer à bonifier ces lois-là. Il est essentiel que le jugement soit respecté. Merci, M. Blanchet. M. Trudeau. Merci, Mme Pigeon, pour votre question et pour votre courage d'être avec nous aussi ce soir. C'est une question extrêmement personnelle pour les individus, pour les familles. Et nous devons être là en tant que gouvernement pour vous aider à naviguer ces questions difficiles. Oui, nous allons alléger la loi dans les prochains 6 mois parce que nous reconnaissons depuis le début que c'était une nouvelle loi, un équilibre qu'il fallait chercher entre la protection des plus vulnérables et le respect des droits et des choix de chacun, chacune. Et on comprenait, même il y a 3-4 ans, quand on a amené cette loi-là, que les tribunaux, la société, tout allait évoluer et nous, on va évoluer avec. Merci pour votre question. Merci, M. Trudeau. M. Scheer. Alors, merci beaucoup pour la question et bon courage. Vous avez toutes mes sympathies. C'est évident que c'est un enjeu très personnel. Et je dois dire que ça, c'est un des moments que j'ai trouvé que tous les partis au Parlement ont vraiment essayé de trouver le terrain commun, le bon voie pour répondre aux décisions de cour, mais en même temps trouver l'équilibre pour protéger les gens vulnérables et les choses comme ça. Pour moi, nous allons toujours respecter les décisions de cour. En même temps, on va faire une revue de la décision et de la régie, parce que, comme M. Blanchet a dit, ça, c'est un vrai, tellement nouveau système, une régie ici au Canada. On doit assurer qu'on trouve le bon droit. Merci, M. Schum. Conclusion, M. Bernier. Oui, effectivement, cette loi-là doit être révisée. Moi, je peux vous dire que j'ai voté en faveur au fédéral de la loi pour mourir avec dignité. Et on prône la liberté et la responsabilité individuelle au Parti populaire. Je m'apprête effectivement à m'engager, à regarder cette législation-là et s'assurer que les gens qui prennent cette décision difficile avec leur père soient capables de faire ce qu'ils veulent faire pour leur fin de vie. Donc, vous avez complètement l'appui du Parti populaire dans votre démarche.
Merci, M. Bernier. Et merci surtout à Mme Pigeon. Vous êtes la plus courageuse d'entre nous ce soir ici. Merci beaucoup d'avoir eu... d'avoir eu le courage de venir nous parler. Je sais que ce n'était pas facile nécessairement et c'est un débat important et qui va suivre son cours. On vient de l'entendre. Merci, Mme Pigeon. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Nous poursuivons avec la première confrontation à trois, M. Singh, M. Trudeau et M. Bernier. Inutile de vous dire qu'on a reçu une tonne de questions sur la laïcité. Je vous repose à vous trois, et je le ferai aux trois autres, la question assez simplement. Allez-vous intervenir dans la contestation de la loi 21 sur la laïcité? Et si oui, à quelle étape? Donnez-nous des détails. Parce qu'on a l'impression que vous êtes tellement prudent pour ne pas perdre de vote au Québec que ça devient tellement confus, votre discours. Je vous en prie. Soyez clair, M. Singh. Je commence avec vous. Oui, d'accord. J'étais toujours clair. Je ne veux pas intervenir dans... je ne veux pas intervenir. Et ce que je veux faire, c'est de toujours lutter contre le concept de division. Je suis contre, évidemment, l'idée de discrimination. Moi, je pense que beaucoup de gens qui font face à cette discrimination dans leur vie, c'est complètement inacceptable. Mais je veux gagner les cœurs des gens. Donc, je suis au Québec, je suis à travers le pays et je parle aux gens et je dis, oui, je porte un turban, mais je suis pour le droit d'avortement. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Je suis pour la lutte contre la crise climatique. Et oui, je porte un turban, mais je partage vos valeurs. C'est une question de valeurs. Donc, si on veut protéger la société, il faut renforcer les droits des femmes. Il faut renforcer le droit d'avoir l'avortement. Ça, c'est comment on peut créer une société plus juste et je suis prêt pour le faire. M. Trudeau. J'ai toujours été clair, moi aussi, que nous n'interviendrons pas à cette étape-ci, parce que c'est une question où les Québécois sont en train de mettre au défi devant les tribunaux cette loi qu'ils trouvent injuste. Mais je trouve aussi que ce serait irresponsable pour un gouvernement fédéral de fermer la porte à tout jamais à intervenir dans un cas, à une étape future, dans un cas de liberté et de droits fondamentaux. On devrait être là pour protéger les francophones en dehors du Québec. On devrait être là pour protéger les droits des femmes, les droits des communautés LGBT ou bien les droits des minorités religieuses. Je vais toujours défendre les droits de tout le monde et on verra aux prochaines étapes. Bien, M. Trudeau vient nous dire qu'il va intervenir et puis M. Singh a dit le contraire de ce qu'il avait dit en anglais récemment. Moi, je peux vous dire que j'ai une parole et effectivement, laissez-moi terminer. Je peux vous dire que j'ai une parole et on n'interviendra pas. C'est une décision du Québec. La laïcité au Québec est un fait maintenant. C'est passé dans une législation et il faut respecter ça. Le Québec a sa propre juridiction, a la propre compétence de passer une loi sur la laïcité et nous allons la respecter. Nous n'allons pas intervenir, comme va faire M. Trudeau, comme il vient de le dire. Et M. Singh, en anglais, avait dit le contraire. C'est important de le souligner. Ce n'est pas vrai. M. Singh, vous aviez dit en conférence de presse, après le dernier débat, qu'à l'étape de la Cour suprême, vous interviendriez. Alors, pouvez-vous préciser exactement? Non, pas de sujet. J'ai répété seulement un fait. M. Trudeau l'a dit. Il y a un fait, et je l'ai répété. Mais ce que j'ai dit clairement... Je ne veux pas intervenir. Il y a une poursuite. Je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c'est de gagner le cœur des gens. J'ai toujours dit ça et je veux faire ça parce que je sais que la politique de division, ce n'est pas bon pour la société. Ça fait mal à la société. J'ai été très clair qu'il y a une possibilité d'une intervention éventuelle, mais ce n'est pas garanti, M. Bernier, parce que nous allons laisser les étapes suivre leur cours. Mais pensez-y, je pense que les Canadiens s'attendent à ce qu'un gouvernement fédéral soit là pour défendre les communautés francophones si, par exemple, un gouvernement majoritaire conservateur de Doug Ford s'attaque aux francophones en Ontario. On s'attend qu'un gouvernement fédéral tienne parole pour défendre les droits des femmes contre un gouvernement conservateur provincial qui voulait renverser ces priorités-là. On sera là pour défendre les droits fondamentaux de tout le monde. M. Bernier, conclusion là-dessus. Donc, la conclusion est bien simple.
On veut intervenir, on veut empêcher et faire en sorte que le consensus au Québec qui existe sur la loi de la laïcité ne soit pas respecté. Et c'est votre position. Un fédéral qui va intervenir, le gouvernement fédéral qui va dire au Québec quoi faire dans ses propres champs de compétences. Et nous, au Parti populaire, on veut respecter, M. Trudeau, la Constitution, contrairement à vous. On ne veut pas s'ingérer. Le Québec a pris une décision, le gouvernement a pris une décision avec le courage politique que M. Legault et le gouvernement du Québec ont eu. Moi, je respecte cette décision-là. Et il y a un consensus. Et quand vous traitez a touché les droits des femmes. Donc, c'est une chose de dire que oui, on protège les droits des femmes, l'autre chose de le faire. Maintenant, au Nouveau-Brunswick, ils sont en train de fermer le seul endroit où on a accès au service de droit d'avortement. Mais vous n'avez fait rien pour protéger accès au service d'avortement au Nouveau-Brunswick. Comment vous pouvez dire une chose en public, oui, je suis pour les droits, mais en privé, ce que vous faites, ce n'est pas la même chose. M. Trudeau, là-dessus, sur la dernière clinique d'avortement, effectivement, privée au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très préoccupés par la décision du gouvernement conservateur au Nouveau-Brunswick qui retourne en arrière sur les droits des femmes. On avait travaillé avec l'ancien gouvernement libéral au Nouveau-Brunswick pour améliorer l'accès à l'avortement. Là, on voit un gouvernement conservateur qui s'est fait élire, qui n'est pas là pour défendre les droits des femmes. Et c'est ça le danger avec M. Scheer. Il ne sera pas là pour défendre les droits des femmes. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Deuxième trio sur le sujet. Et on va poursuivre donc avec Mme May, M. Scheer, M. Blanchet. Et je veux rapidement rester sur l'avortement. On va revenir à la laïcité, mais je veux rester sur l'avortement. Une seconde. M. Scheer, vous engagez-vous à améliorer l'accès à l'avortement malgré vos convictions pro-vie? Pour la dernière fois, je vais dire, j'ai toujours été clair sur cette question. Je suis personnellement pro-vie, mais on ne va pas changer l'accès ou les lois. C'est la même chose pendant les dernières premiers ministres libéraux, conservateurs, ne va pas changer sous mon leadership. Comme je suis premier ministre, on ne va pas changer les lois ou l'accès. Point final. Voilà. Monsieur Blanchet, je reviens sur la laïcité. Et j'ai une question pour vous. Et je vais relancer le trio. Si la Cour suprême invalidait la loi québécoise sur la laïcité en tout ou en partie, est-ce que, selon vous, ça relancerait l'option souverainiste? Je ne sais pas qu'est-ce que les Québécois feraient dans ce cas-là, mais pour les Québécois, la notion de laïcité, c'est une valeur progressiste, héritée de la Révolution tranquille. C'est généreux, c'est accueillant, c'est bienveillant, ça protège l'égalité de tout le monde, ça protège l'égalité des sexes. C'est pas quelque chose de contraignant ou de restrictif dans le cœur et la tête des Québécois. J'apprécie ceux qui reconnaissent que c'est à Québec de décider. Je comprends les ambiguïtés. M. Singh, vous dites pas la même affaire en français et en anglais. Les journalistes vous ont travaillé, ça n'a pas donné la même affaire. Puis quand on parle de laïcité, M. Trudeau nous parle du Nouveau-Brunswick puis du droit à l'avortement. Les Québécois sont capables d'avoir des gens avec lesquels ils n'auront pas de doute quant à l'engagement sur la laïcité. Est-ce que les gens qui se feraient virer de bord, encore une fois, par la Cour suprême, se diraient « Oh, on a été, comment dire, négligés. Il y a eu un manque de respect institutionnel par la plus haute instance juridique du Canada. » Et il y en a sûrement qui se poseraient la question. Mais je suis convaincu que telle n'est pas l'intention du gouvernement Legault, qui n'est pas un gouvernement souverainiste. Il y a seulement moi qui peut être premier ministre qui était toujours clair sur cette question. On ne veut pas intervenir. Pas « veut pas », mais « va pas ». C'est mon position le premier jour de la campagne, c'est mon position aujourd'hui et ça va être ma position après l'élection. Mais c'est clair que la priorité de M. Blanchet, c'est de réanimer le mouvement souverainiste. Il va travailler avec le Parti québécois le lendemain après l'élection pour relancer les débats pour un autre référendum. Ça, c'est son priorité, ça, c'est clair. Madame May. Oui, aussi, je ne veux pas intervenir. Mais je pense que c'est vraiment un peu bizarre dans ces élections fédérales. Je suis d'accord avec Chantal Hébert, qui a écrit aujourd'hui, que ce n'est pas un enjeu dans une élection fédérale. Et nous avons eu le débat au sujet de loi 21. Je pense que plus que la crise climatique dans toute cette élection. Pour ça, je suis inquiète. J'espère que le Québec, comme nation, reste
une société inclusive. Mais... je pense que c'est une question pour le Québec et les Québécois, les Québécoises. Mais maintenant, s'il vous plaît, nous avons il reste à discuter qu'est-ce qui passe pour les personnes dans le nord du Canada, l'Arctique, les personnes dans la région atlantique, les questions pour les fermières. Ce n'est pas dans les débats. Si on parlait seulement pour quelques secondes sur cette loi, parce que M. Trudeau a dit quelque chose tellement bizarre. On parle de la loi 21 au Québec. Il a commencé de parler de les autres enjeux de les autres provinces. Il était obsédé de les politiques provinciales dans de l'Ontario. Il a même mélangé une menace hypothétique pour justifier son position incohérente sur cet enjeu. Mais il n'y a pas le monopole sur les affaires bizarres parce que vous venez d'en dire une pas mal, vous aussi. Non, mais ça, c'est... Vous êtes en train... C'est vous qui avez travaillé... Je ne suis pas Justin Trudeau, là. Coupez-moi pas la parole aux trois secondes. Vous êtes en train de dire que le gouvernement Legault se fait l'instrument d'une tactique bloquiste qui va soutenir la loi 21 pour faire avancer le Bloc, puis que le lendemain, le Bloc va aller travailler avec les neuf députés du Parti québécois contre le gouvernement Legault. La dernière fois que j'ai vérifié, le 21 octobre, c'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est une élection fédérale où le Bloc québécois dit aux Québécois, n'envoyez pas à Ottawa des gens qui vont défaire ce que vous avez demandé à ceux de Québec de faire. La chose que j'ai dit, c'est que vous prétendez être le meilleur ami de M. Legault. Vous cachez vos intentions. J'ai jamais rien du vous cachez vos intentions actuelles pour gagner les sièges. Alors, vous pouvez réanimer le mouvement souverainiste le lendemain après les élections. Le concentrer sur le référendum. C'est votre priorité. Ma priorité, c'est d'améliorer la qualité de tous les Canadiens, de baisser les impôts, de rendre la vie plus abordable. Ça, c'est ma priorité. S'il vous plaît, j'ai le droit de parler un peu, s'il vous plaît. Allez-y, Madame May, allez-y. Oui, dans la question de loi 21, je pense que tous les chefs ont le problème parce que tout le monde dit qu'au niveau fédéral, sauf pour M. Binney, que nous sommes contre la loi, mais en même temps, on doit respecter le Québec et les décisions de cour, attendre les décisions de contestation qui sont maintenant en train au Québec. Voilà. Merci, Mme May. On vous a laissé parler. Question en rafale maintenant. Il y a été beaucoup, beaucoup question de cette histoire au cours des derniers mois sur la scène politique canadienne. Alors, je vous pose la même question à tous. Souhaitez-vous un accord de réparation pour SNC-Lavalin pour que l'entreprise, je le rappelle pour le bénéfice des gens à la maison, pour que l'entreprise ne soit pas obligée d'être condamnée à ne plus recevoir, s'il y a une condamnation, des contrats publics pendant 10 ans. Premier à répondre, M. Bernier. Nous sommes le seul parti, je suis le seul chef qui a dit à l'époque qu'il n'y a aucune corporation qui est au-dessus de la loi, aucune entreprise qui est au-dessus de la loi. Donc, le gouvernement de M. Trudeau a installé dans la législation canadienne une clause qui permet d'avoir des ententes spéciales avec des compagnies corrompues. Nous sommes contre ça. Toutes les compagnies doivent être traitées de la même façon, SNC-Lavalin comme les autres. Et ça, c'est très important, parce que si vous ne faites pas ça, les compagnies et les gens vont perdre confiance dans notre système juridique. Les petites compagnies sont poursuivies lorsqu'il arrive quelque chose. Les grandes, ça doit être la même chose aussi. Très bien. Donc, non. Monsieur Singh. C'est tellement difficile de dire ça, mais ça va être la seule fois dans ma vie que je suis d'accord avec M. Bernier. mais dans ce cas, oui... Il fallait un dernier débat. Mais c'est ça, la dernière fois. Mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est clair. Le résultat de ce qui s'est passé, M. Trudeau a essayé d'aider ses PDG, pas des travailleurs et travailleuses. Ce qu'elle a dit, en fait, elle est un premier ministre pour ses petits amis. Elle rencontre les grandes compagnies, et les aide, elle peut les appeler et dire, hey, aidez-moi. Elle dit oui. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pour les gens, je veux travailler pour les gens et je veux travailler pour les travailleurs et travailleuses. Ça veut dire qu'on a un système de justice qui est juste. Merci, M. Singh. M. Trudeau. Presque tous nos pays alliés, en Europe et ailleurs, ont un système d'entente de réparation qui permette à une compagnie de payer des pénalités, de changer son comportement sans
punir les travailleurs qui n'avaient rien à faire avec les décisions des hauts cadres. C'est une situation qui protège les travailleurs quand il y a de la malfaisance au niveau d'une compagnie. C'est un système qui fonctionne à travers le monde, mais la décision que si ça va être donné à une compagnie ici au Canada appartient uniquement au procureur général et au ministre de la Justice, et nous allons respecter cette décision quand elle sera prise. Monsieur Blanchet. Il y a beaucoup de choses à réparer dans l'entente de réparation. Il faudra réparer le mépris de M. Trudeau pour les institutions qui a fait planter une démarche qui aurait pu fonctionner, même s'il est exact que les grands pays occidentaux en général ont de telles ententes de réparation à même leur propre législation. Et il faudra réparer la mauvaise habitude, là je vois que M. Bernier s'ajoute à ça, puis que M. Singh s'ajoute à ça, de jouer le Québec corrompu. Absolument. Les 3 400 employés de SNC-Lavalin actuelle et la direction actuelle de SNC-Lavalin n'ont rien fait de pas correct. Les actions tombent, les morceaux vont être vendus, les travailleurs se cherchent des jobs et c'est un autre fleuron d'ingénierie québécois qui va tomber à cause de l'incurie ou de la mauvaise foi des partis fédéralistes. Merci, M. Blanchet. M. Scheer. Une fleuron de notre pays, c'est l'indépendance de notre système judiciaire. Et Justin Trudeau a essayé d'ingérer dans la décision indépendante de son procureur général. Et quand il n'a pas obtenu le résultat, la décision qu'il a voulu, il a lui congédié. Il a essayé d'ingérer et nuire notre système indépendant judiciaire. La décision doit rester avec le procureur général. Et ce n'est pas les excuses des emplois. Il y a seulement un job que le premier ministre a voulu sauver, et ça, c'est la de lui. La sienne. La sienne, merci. Madame May. Oui, je suis avec mon collègue, M. Singh. Je suis étonnée je suis d'accord avec M. Bernier. Aucune entreprise, ni personne, est au-dessus de la loi. Et c'est pour ça que je suis déçue avec M. Trudeau, parce qu'il a brisé la loi avec la pression contre notre procureur général et en même temps le même projet de loi omnibus que j'ai parlé dans l'autre section, c'est dans le même projet omnibus budgétaire où ils ont changé le code criminel pour aider SNC-Lavalin. Ce n'est pas la façon merci, de faire les merci, bonnes décisions. Merci, Mme May. Débat ouvert. Qui commence? Je vous lance une question et ensuite les réponses sont à vous, bien sûr. C'est dans les crises qu'on mesure le jugement et la transparence d'un chef. Vous avez tous, ou à peu près tous, dû passer l'éponge sur des candidats. Dans certains cas, vous avez dû en renvoyer, des candidats embarrassants. À partir de maintenant, est-ce que vous nous dites que c'est tolérance zéro pour un candidat ou un député, éventuellement, pour toute remarque qui serait jugé raciste? Monsieur Blanchet. D'abord, je comprends très bien pourquoi cette question-là est là aujourd'hui. Si n'importe lequel des candidats qui ont été mis en cause avait refusé de s'excuser de façon explicite, il ne serait plus candidat du Bloc. Parce que je peux affirmer, et je suis convaincu que mes énormes réseaux sociaux, mon passé de chroniqueur, mon passé aux ex, tout ça a été scruté. Personne ne peut douter que je sois n'importe quoi qui soit un petit peu proche d'un raciste. Je n'aurais eu aucune espèce de tolérance et je comprends que les collègues aient fait la même chose dans un certain nombre de cas. Maintenant, ce qui me semble essentiel dans une campagne électorale, c'est que les gens choisissent pour qui ils vont voter en fonction des valeurs qui vont être portées et c'est de ça dont il faut parler. Bon. Nous, de tout cœur, on va travailler pour le Québec. Vous avez eu quatre exemples des gens qui ont dû s'excuser, M. Scheer aussi, M. Trudeau aussi. M. Scheer, allez-y. Ouais, je peux vous dire qu'il y a un candidat qui n'a jamais été passé de notre système, notre processus pour analyser les candidats. C'est un candidat qui a brisé la loi sur l'éthique deux fois. C'est un candidat qui a menti souvent, qui a menti de beaucoup des choses dans sa vie. Et ça, c'est le candidat libéral de Papineau. M. Trudeau. Les excuses sont importantes, mais les gestes et les intentions et les valeurs sont importantes aussi. Et on va toujours juger selon les priorités, les valeurs et les actions de tous et de chacun. Ça fait partie du choix électoral que les gens font. Est-ce que les gens représentent leurs valeurs? Est-ce qu'ils sont là pour les défendre? Et je pense que les gens savent que depuis 4 ans, je les défends et on va continuer d'avancer en les défendant.
Oui, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Des candidats ont fait des erreurs. L'important, c'est que les candidats assument ces erreurs-là. Et s'il y a lieu à des excuses, oui, c'est parfait. Mais après ça... Après ça, on doit s'assurer que ces gens-là partagent les valeurs canadiennes, les valeurs d'équité, de liberté, de tolérance. Et c'est ce qui est important pour nous. Notre parti est fondé sur des principes clairs, l'équité, la tolérance et le respect. Et on veut que nos candidats fassent la même chose, et ils le font. Très bien. Monsieur Singh. Donc, c'est une question d'authenticité. Donc, si quelqu'un s'excuse, mais il n'engage pas de changer pour l'avenir, et il n'y a pas un engagement fort de faire des choses différemment, donc non. Mais si c'est une excuse et aussi un engagement de changer, et aussi, en fait, si quelqu'un partage nos valeurs, et on va rester dans la partie, nos valeurs, c'est de travailler pour les gens, pas pour les plus riches. Nos valeurs sont de travailler pour défendre les droits de la personne. Nos valeurs sont de vraiment avancer la justice sociale en même temps qu'on combat contre la crise climatique. On peut le faire ensemble. C'est exactement les sortes de candidats et équipes qu'on a. Et c'est exactement ce que les Canadiens ont besoin. Je pense que nous avons un problème dans notre démocratie. J'ai plusieurs gens qui m'ont demandé pourquoi qu'un citoyen va présenter pour un parti dans notre démocratie, dans les élections, parce qu'il y a toujours les choses qui sont embarrassées. Mais pour moi-même, c'est une question de le niveau de leurs commentaires. Nous avons dans le parti vert zéro tolérance vers racisme, antisémitisme, sexisme, c'est clair. Mais on doit réfléchir parce que ces élections, dans les dernières quelques semaines, nous avons pris le temps, la grande majorité du temps, avec les petites politiques, pas dans un dialogue pour aider tout le monde à trouver les façons de travailler ensemble contre l'urgence climatique. Et jusqu'à ma dernière souffle, je veux essayer d'arrêter l'urgence climatique. Il faut travailler ensemble. Il faut qu'on fasse un bon choix. Il faut qu'on avance pour lutter contre les changements climatiques. Et on va continuer d'avancer. Merci. M. Scheer, un petit mot. M. Blanchet, un petit mot. Et nous concluons ensuite. Alors, le choix de cette élection, c'est clair. C'est 4 autres années avec les hausses d'impôts, la vie qui devient plus chère ou une pratique consultée avec moi qui va rendre Très la bien. Vie plus abordable. Très bien. Blanchet, 10 secondes. On s'en va au Parlement. On votera pour ce qui est bon pour le Québec. On votera contre ce qui est mauvais pour le Québec. Merci. On décidera pour le bien. Mesdames et messieurs, merci. Madame, messieurs les chefs, merci à vous. Dans l'ensemble, vous avez été disciplinés. Merci. 21 octobre, jour du vote, mesdames et messieurs. C'est un rendez-vous, donc, pour la grande soirée électorale sur toutes les plateformes de Radio-Canada. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe derrière. À la prochaine.